Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandera Nera. À la barre, ce soir, le lieutenant Sturm. Et euh, j'ai une annonce à vous faire qui est quand même euh, d'importance, parce que ce soir, c'est la 300e! Ouais 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 Joyeux anniversaire, ouais RNZ! Joyeux anniversaire, RNZ! Joyeux, Joyeux anniversaire, MZ Joyeux anniversaire, MZ À bientôt Allez, un petit coup <laughs> Dernière sommation. Je suis un poète paysan. Voilà. Bon, donc euh, là, on s'est fait un petit coup de on s'enfle le melon, on fait gonfler les chevilles, on se fait plaisir. Mais effectivement, chers auditeurs, ce soir, c'est la 300e, 300e de méridien zéro, ce qui me permet quand même de dire un petit mot euh, euh, en forme de grand, grand, grand remerciement à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début euh, euh, de cette épopée euh, des ondes virtuelles. Euh, donc, un grand merci à tous nos auditeurs, chaque jour, chaque mois, chaque année de plus en plus plus nombreux, de plus en plus euh, énervés et de plus en plus euh, fidèles. Voilà. Euh, merci aussi à tous les pisses froids qui ont vomi dans nos chaussettes, qui n'y ont pas cru en nous, qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Les gars, merci beaucoup. Vous n'avez fait que renforcer notre détermination à poursuivre, parce qu'on est des têtes de cons et on, on, on l'est en plus pleinement. Donc on est très content euh, d'avoir aussi euh, euh, quelques opposants, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Voilà. Euh, quoi de mieux Quoi de mieux qu'un panneau actu pour une 300 centième Franchement, quoi de mieux Avec une équipe de choc, euh, déjà, euh, éche déjà échauffée, hein, parce qu'on a eu du mal à démarrer l'émission, on était déjà en plein débat, euh, on va vous en reparler dans quelques minutes. Euh, je fais rapidement un tour de table pour vous présenter les vedettes du soir. Bonsoir. Avec euh, tout d'abord euh, notre ami euh, 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 par qui je commence la gauche, la droite, on s'en fout, de toute façon tout le monde est au centre maintenant. Euh, Clémentin Autin à ma droite. Bonsoir à tous. Voilà, nouveau micro, mais présent, euh, Monsieur Arnaud. Bonsoir. Voilà, Mr. K. Bonsoir. Maître. Bonsoir. Euh, qui a d'autres là-bas, Monsieur Xavier Aimant. Bonsoir à tous. Et le grand euh, technicien, euh, euh, celui qui œuvre euh, derrière les manettes, mais aussi euh, devant Bonsoir. le micro, Jean-Louis Roumegas. Ah, la foule est en délire. Et euh, qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur K Je voulais avoir une petite pensée pour nos camarades qui ne sont pas là ce soir. Oui, les, les équipes oui. Delta, Beta et aussi tous les technicos, les, les garçons qui font les visus, les ceux qui s'occupent du site internet. Voilà, euh, on peut, on ceux, peut qui les... ceux qui font la popote, ceux qui nettoient, ceux qui passent le balai, et tout ça. Voilà, on, ouais, peut bah, les, bah. on peut les citer. Hein, C'est vrai qu'avec ce soir, avec nous, auraient dû être présents M. PGL, M. Maurice, M. Crampon, M. Wilsdorf, M. Willy, M. Euh, M. Zut... On était en train d'enterrer l'émission voilà, avant euh, démarre. Internet. Euh, ça manque de femmes. En quand gros, même, hein. voilà. Non, mais on aurait dû. Être le double. Bon, on va se contenter de ce qu'on est. Hein. Mmh. Ah, écoute, euh, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, les aléas, les imprévus, euh, les maladies euh, euh, nosocomiales ou pas, euh, voilà, bref, euh, les ch'touilles congolaises, il y a plein de trucs qui euh, empêchent parfois certains d'entre nous d'être présents. En parlant de ch'touilles congolaises, pardon, Ouais oui. non juste avant euh, je sais pas si si vous voulez lancer là l'émission ou pas euh, euh, si on le, le même, on est là pour ça. Euh, non c'était juste pour d'ailleurs c'est juste faire un, un petit bilan euh, tel que je le faisais avec euh, avec maître Abouzi, bah alors bilan bilan. Euh c'est bon on en est à la 300e. Alors c'est c'est pas exactement un anniversaire puisque si je ne m'abuse on a démarré euh, il y a maintenant presque 7 ans. Euh, six ans et demi mmh. euh, et donc bon mais c'est vrai que c'est la troisième alors cette année on aura quand même mis des choses en place euh, c'est le site internet c'est euh, des nouvelles émissions c'est votre chronique euh, mon lieutenant euh, c'est euh, le camarade allemand euh, qui nous fait sa, sa chronique du mercredi ah, et qui, est, qui va être euh, on peut quand même le dire qui normalement devrait avoir lancé un mouvement de foule euh, mmh. voilà, et de masse au plan européen. Voilà, euh, puisqu'il va être rejoint par d'autres chroniqueurs, d'autres capitales. Tout à fait. Donc, bah, on va continuer l'effort. Certains d'entre vous, euh, ils se reconnaîtront, ont proposé euh, de servir de support pour une mise en ligne euh, sur YouTube. Euh, yes. C'est évidemment avec grand plaisir. Hein. Je vais, je vais leur réécrire là, puisque ce sont eux. C'est moi qui suis en, en souffrance de réponse. Euh, c'est vrai que ça sera là aussi un. Chers auditeurs, un autre... il sera dûment fouetté voilà, de cette émission. Un, là aussi, c'est un palier un, important à franchir. Euh, après, bah, je pense qu'on peut relancer un, un appel euh, franc et massif sur le fait que la seule place qui manque à euh, MZ, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Alors euh, on recrute, hein, on recrute voilà. évidemment énergiquement à Paris, en province. Euh, pas d'exclusive, on n'est pas. Euh... On n'est pas une radio euh, euh, bobo facho parisienne, on s'en fout complètement. Euh, toutes les initiatives sont les bienvenues. Alors, on a des projets hein, euh, qui se mettent en place aussi. Donc, vous allez voir encore des choses apparaître et des choses se densifier. Euh, J'ajouterais qu'on a un petit T-shirt dans les, dans les cartons hein, pour que les gens fassent les beaux cet été. Voilà, ou au beau jour qui arrive bientôt. Euh, donc, on va mettre ça en place et en prod. Vous verrez ça sur le site. Vous pourrez l'acheter en ligne, normalement, si on n'est pas trop bête. Ça devrait marcher. Et puis, euh, et puis, j'aimerais beaucoup, et là, on y travaille aussi, qu'on relance quelques apéros Méridien zéro. Euh, voilà, euh, Paris et peut-être même ailleurs, si on a euh, la possibilité, le temps et l'espace pour le faire. Voilà, Monsieur Arnaud. Et quand même, ne pas oublier le partenariat avec une jeune radio, une autre web radio. Oui, bien sûr, <laughs> on a <laughs> <c 'est rire> lancé il y a quelques mois. Tu vraiment boutiquier, hein Arrête. <laughs> Donc, au 74 rue Turène. Il y a Radio Liberté et on travaille avec Radio Liberté. Voilà. Liberté. Non, non très bien très bien euh, évidemment bien sûr échange de bons procédés d'émissions et puis charée, euh, justement, écoute. Il qu non, parce que j'ai d'autres projets qui <laughs> permettraient aussi d'amplifier cette complémentarité. Ah, en plus de la reprise de, des émissions de marina. Bah, enfin, on en un salive. Scoop, les gars, on en scoop, salive. Un scoop, salive. Un scoop les filles un scoop. Bref euh, vous voyez on continue et on continuera. Euh, je rappelle d'ailleurs à beaucoup de nos détracteurs que la CIA ne nous paye pas, qu'on ne retire aucun bénéfice de même notre travail. Oh, N'aime pas Soros oh, N'aime pas Soros si On l'a pas encore aucun, vu. Je suis payé par la CIA. Oui, euh, oui, euh, maître Abosi. Oui, à, euh, à titre uniquement personnel. Et moi, je souhaite l'être. Euh, si des gens s'intéressent. Voilà, euh, Clémentin, je suis disponible. Euh, Clémentin euh, prendrait même euh, du mi 6 Enfin bon, euh, voilà. Il y a des bon carrières bon, qui se développent ici. Moi, ah, euh, ah, euh, non, le monopole dans l'Angleterre, c'est ma D'accord. on est mal barré. Il y a quelqu'un pour le Mossad euh, moi, moi je vois une, une 4L qui ah s'intéresse si à quelqu'un. <laughs> Il faut dire à GG de rendre les pieds du camion aussi parce qu'ils sont restés à l'arrière. Ginette, c'est. Enfin, bref. Euh, voilà, donc euh, oui, on fait toujours tout ça bénévolement. Ce qui nous amènera bien sûr à parler euh, peut-être d'une petite campagne de dons d'ici la fin de l'année aussi, parce qu'on a Donnez besoin votre régulièrement votre votre. Euh, donner à votre bon cœur, monsieur Dame. Enfin, on peut donner dès maintenant sur le site de 0. On Zéro, peut toujours donner aller tout de, le aller temps aller mais... sur le PayPal. Mais c'est bien et... quand il y a une campagne, parce que bah, les gens se proposent. On peut on puisse menacer aussi, tu vois, l'auditorium. Ouais. On, peut, on peut dire, il n'y aura pas de 300 e tant que tu n'as pas lâché 10 euros, tu vois. <laughs> le... Voilà. Ouais, oh, je... Et si tu fais, tu vois, c'est comme le téléthon, si tu fais pas le, le montant euh, prévu ouais, euh, initialement, bah il y aura pas 301e. ouais, c'est clair. Enfin, Donc... là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein, comme on Exactement. Le téléthon, ouais, si personne n'y croit, tout le monde sait bien que de toute façon la 301e, ça sera la semaine prochaine. Voilà, ah, section. Euh... Section. Et on fait pas un truc sur, euh... ah bah, la sur Bruno Kramer ou un truc comme ça La 317e, la 317 Ah oui, la 317e, ah oui, 3... 317e. Ah. Ah oui. Oh. Oh. là c'est crampon aux manettes. Humour de côte. C'est crampons et, crampon et une demi-douzaine de paras. Non, c'est un monopole de deux heures un monologue de deux heures avec Roger Hollande. <laughs> Roger, Roger, nous te saluons. Oui. Attention aux naftalines. En avant. Alors. Euh, donc, je disais en parlant de chouilles congolaise, tu vois, je n'ai pas tout perdu. Il est, euh, il, est, il est dans le destin de quelques amibes qui euh, peuplent euh, ce paysage politique fort dépressif que nous avons dans notre beau pays, euh, enfin de moins en moins beau pays de France, euh, d'essayer de survivre, c'est vrai. Hein et de trouver à toujours un peu comme un vieux phénix raccorni, mais ça me fait penser beaucoup à du bacon trop grillé, mais à se euh, retailler un strapontin euh, là où ils peuvent et quand ils le peuvent. Et on va ouvrir ce panneau actuel justement avec l'ami ban chef. J'ai nommé Berrou. ce que François Berrou. Ah oui, Berrou, Berrou, Berrou. Pardon. Ah bah oui. Berrou, Berrou, Bérou, toi tu es cerne. C'est le Berne. Jamais. Jamais. Décharge de ton tracteur. Jamais. <laughs> Bon, ouais, François Bérou, les enfants, il nous l'a fait sacrément à l'envers. Il faut quand même rappeler que François Bérou euh, croit, croit deux choses, que deux miracles lui sont arrivés. Le premier, lorsque la Vierge Marie lui apparaît quand il avait 9 ans dans le jardin de son grand-père. Ouais. Et le deuxième. C'est pas forcément discutable, on n'y était pas. On n'y ouais. était, ouais, était pas. Mais et, elle, vrai. elle lui aurait dit qu'il serait président de la République. Hein. Mm. Euh, là, là j'ai un doute. Et le deuxième, c'est lorsqu'il a sauté euh, dans une piscine entièrement vide. Mm. <rire> <rire> Croyant que <'eux>, Voilà. <laughs> et donc, <laughs> Il a, il, il a <laughs> plongé la tête de la première. Il croit que. Là aussi, la main de Dieu l'aurait sauvé. Chevetement cette... a eu le même parcours après son empoisonnement. Son empoisonnement, oui. Ouais. Non, mais c'est euh, tendu quand même pour ces gens-là. Il euh, y a des solutions. Il euh, y en a des chinoises très rapides. Mais là, a priori, chez nous, on est plutôt sur une solution longue, puisque finalement, il va s'hybrider avec son clone qui a presque la moitié de son âge. Hein. Tu veux, tu veux dire que en fait, lieutenant, vous voulait dire que, en gros, euh, notre ami Bayrou a l'âge de Brigitte Macron bah, euh, <laughs> et, 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 et je dis, peut-être même, il va la remplacer. On ne sait pas. Avec, non, la, euh... avec le. Hein non, ouais, Il y a je... Mathieu Gallet. Bah, il y a eh, Mathieu Gallet. Ouais, enfin, Mathieu Gallet a plus de poids eh, et de pouvoir que François on, Bayrou. Quoi. On, on, on sait que les invertis sont pris à pic quand même. Micron, il ne va pas résister. Et paf hein. C'est un vieux routier, l'ancien. Il a deux grandes oreilles. On peut s'y accrocher, tout ça. Il y a plein de choses à faire. On doit quand même la vérité à Bayrou. Lui, il n'en est pas. Euh, — Pas encore. Mais il le sait pas, ça, non plus. Il y a beaucoup il de a choses qu'il sait Il a des grandes oreilles. Pas. Donc c'est possible. — Bref, <laughs> bill Vezé. Euh, entrons dans le vif du sujet. C'est quand même un type qui renonce à la présidentielle sous prétexte de menaces absolument apocalyptiques euh, et, euh, et qui, derrière, dit « Je fais alliance avec ces 5% prédictifs ». Euh, avec Je, propose, ma... une, une Je propose une alliance sous condition. C'est pas sûr que l'autre en veuille. Ah si, si, ça a c'est fait, fait, ça a été fait là. Oh là, là, là. Hey, C'était préparé depuis une semaine. Ils se sont vus il y a un moment déjà. Non, par contre, ce qui est très drôle, euh, ce qui est très très drôle, c'est que derrière, il y a quand même un peu de réel politique avec un MoDem qui n'existe plus, des, des cadres qui sont déjà partis chez Macron. Euh, et un mec qui a dû quand même s'asseoir sur un cajot d'oursin en se disant que, eh bien, finalement, ce qu'il avait raté toute sa vie, un petit con sorti de chez Rothschild était en train de le faire. Hein. Euh, ça doit pas faire du bien. Est-ce que ça veut dire que Macron bascule dans le centre droit, qui a jamais été aussi maladroit que qu'à droite Est-ce que ça veut dire. Euh... Euh, euh, que Bérou est mort, ça, j'y crois pas parce que ces mecs-là, 65 ans, c'est jeune. vivant d'abord. Oui, la la réaction, voilà, mais même, 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 je veux dire, 65 ans, c'est jeune en politique. C'est le début d'une grande carrière, souvent. Euh, euh, non, il euh, y, y, y a, quand même dans, dans, dans cette journée d'ailleurs où il y a eu, euh, et, et Bérou et de Rugy leur ralliement des, euh, des vieux pneus. Et, et Macron, d'ailleurs, de préciser que ça marquait un grand tournant dans, dans la campagne électorale, c'était très très beau. J'ajoute une chose avant de vous poster la parole, les filles. Dans les conditions que, que Bérou a données à son ralliement, euh, pas, pardon, 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 à son alliance, tu as parfaitement raison, parce qu'il ne se rallie pas, il ne disparaît pas. Voilà, à sa proposition d'alliance, il y en a quand même une qui est très bonne et qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'introduction de la proportionnelle pour un plus grand respect de la pluralité politique. Alors pourquoi ça me fait rire euh, Ça me fait rire parce que euh, c'est une proposition qui est balancée depuis 30 ans et qui n'a jamais eu réellement d'effet. Euh, pourquoi Parce qu'il ne fallait pas que le Front National entre à l'hémicycle. Or aujourd'hui, le Front National a atteint euh, euh, un, le, le seuil minimum pour se passer de la proportionnelle. C'est-à-dire de passer au majoritaire et d'avoir quand même un gros groupe de députés. Et là, du coup, tout le monde pense proportionnel pour essayer de le rediluer dans les micro-partis qui pourraient euh, euh, casser, euh, voilà, à droite et à gauche. C'est quand même extraordinaire ces puputes. Euh, c'est, quand même, ils n'ont pas de limite euh, dans, la, dans la sémantique de la trahison. Bon, ben, c'est le traître, hein, on le sait quand même. Euh, le traître à tous ses engagements. Je rappelle quand même qu'il avait dit que Macron était le pur hologramme de la finance. Bon, bah il va, il va coucher avec. Euh, et que euh, c'était quand même le dépositaire de, du, du, du quinquennat Hollande. Et il va coucher avec. Ce qui est là plutôt logique, puisqu'il a soutenu Hollande contre Sarkozy. Monsieur Arnaud. Qui est peut-être d'ailleurs la seule chose qu'on peut, euh, qu peut mettre à son, à, à son crédit. Quoi. Oui, oui. Parce oui, que oui, moi, oui. Je, ce qui est considéré par tous les gens de droite comme la, la, tra, la, la, tra, la trahison. La trahison, pardon, la, la plus terrible de Bérou, moi, c'est plus le seul côté que je lui trouve sympathique, <laughs> c'est d'avoir quand même <laughs> préféré, préféré euh, Hollande à Sarkozy, qui reste la pire chose que, la, wow, que, que, la que, le, que le pays est connu ouais. euh, sous la Ve République. Puis la petite taloche en public. C'était quand même. Ouais. Euh, non, la, la taloche, ça commence à dater, c'est 2000. Oui, je sais bien, le seul mais ce moment, où il a été de droite il, hein. il a été le seul à le faire en même temps. Mmh. Il a mis à petite taloche. Mmh. Non, que, en fait, euh, je pense qu'en fait que euh, Bayrou s'est rallié à Macron parce qu'effectivement la Vierge a vu le Christ. Oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau. Alors là. Ah oui, parce que ne pas, ne pas oublier qu'effectivement depuis un certain temps, Emmanuel Macron, à l'instar de son modèle Justin Trudeau, fait dans le télé-évangéliste c'est est... plus que son modèle, à mon avis. Hein. C est, c est le, la... Ils ont oui. été clonés sur la même base. Ah, oui, oui, c'est oui, le, oui, le même storytelling C'est les mêmes numéros de série. Hein. Oui. Rappelez qui est Trudeau. Trudeau, Trudeau est euh... le premier ministre fédéral canadien qui, effectivement, est l'homme la... et, et de la post-nationalité, de la post-histoire. De, de La post-histoire, c'est la post-modernité. Le... Voilà. Post Au moins, Tony Blair, qui, à mon avis, est pour le coup leur modèle à tous. Big Blair était encore dans une, un ancrage, on va dire, plus ou moins national, c'est-à-dire typiquement britannique. Euh, je viendrai mettre un petit bémol des familles tout à l'heure. Oui, je dis bien, c'est l'image, on parle en termes d'image. Effectivement, Trudeau et Macron sont euh, deux êtres qui ont sensiblement le même âge, je pense, euh, et qui sont euh, deux choses, on ne sait pas ce que c'est... Alors tu sais, comme ça fait mal, tous ces mecs-là ont en moyenne 45 ans, hein, ou un peu moins. Oui. C'est-à-dire en fait, c'est nous. <laughs> oui, hein on, oui. on, on une part une partie de nous. aussi. Hein. Et donc pour <laughs> terminer, on effectivement... aurait raté un ouais. truc les gars. Hein. Emmanuel donc... Macron a exactement mon âge. Mmh. C'est pas une référence, tu devrais wow. lui dire. Non, mais... bah... Et donc pour revenir effectivement, oui, mais t'es et... pas homosexuel là normalement. Hein oui. Ah, euh... <laughs> et donc effectivement Macron depuis un certain temps, euh, ont, euh, les certains euh, commentateurs et caricaturistes. Et... S'amusait à parler de son côté un peu télévangéliste, voire christique, euh, notamment du fameux. Revendiqué par lui, d'ailleurs. Revendiqué. Lors de son fameux. C'est notre projet <laughs> Et là, lorsqu'il a éructé le, lors du meeting euh, ouais. euh, à la porte de Versailles. C'est ravage et... de la coque, ça. Oui. C'est de la bonne, quand même. Hein. Il, <laughs> il, doit, bonne. il doit prendre la bonne, à mon avis. Mais effectivement, alors pour revenir à Beyrouth, c'est. Il Effective... faut pas oublier que Beyrouth, en 2007, le seul moment où il a été intéressant, je pense que c'est pas tellement en 2012, quand il a euh, appelé à voter Hollande contre Sarkozy, parce que ça, je pense que c'était le bon sens qu'il exigeait. Près de euh, chez nous. Euh, c'est quand, en 2007, ne jamais oublier que c'est celui qui explique qu en fait, il y a un problème avec les médias, qu'il a le discours en fait, qui qu est à peu près notre discours par rapport au rapport incestueux qu'ont certains médias avec... Euh, certains euh, Qu'ont les médias avec le Grand Capital. C'est euh, à ce moment-là que Bayrou est intéressant. Et là... On voit quand même Bayrou soutenir le, le produit marketing, le produit licite des 10 médias qu'il n'a cessé de, de combattre en gros depuis 2007. Parce que honnêtement... Euh... Non mais attends, et ça ne devrait pas nous étonner, on sait quand même que c'est tous des savonnettes intersidérales tout de même. Alors ils sont pour prêts on prêts est... à tout dire et à mais dire on, de on tout. On pourrait peut-être justement euh, préciser le, oui, un, un peu le, le rôle des médias, parce que c'est quand même fabuleux la complaisance des médias envers François Bérou. François Bérou ne représente quasiment plus rien. Il n'existe que parce qu'il a cette... Compl... En effet, il a combattu vaguement les médias, mais apparemment ils n'en veulent pas, parce qu'ils ont organisé ces derniers jours un storytelling absolument... Euh, Hallucinant Alors, je... en nous faisant croire qu'il y avait un vrai suspense avec la, la, candida la, la, candidature, plussois, la candidature de, de, de François Bayrou qui, qui est un non-événement. Qui, je qui... je plus sois parce qu'il y avait 150 accréditations de journalistes au siège du Modem n'importe quoi, C'est complètement une disproportion totale. Il y avait plus de journalistes qu'à des rendus modernes Qui montre encore une fois la volonté des médias de créer l'événement. Ils suivent pas les événements, ils veulent créer de toutes pièces des événements artificiels. C'est une fin d'événement. Pourquoi crée tu cet événement Pour un fort simple, c'est qu'il n'y a absolument rien qui structure cette campagne. Il n'y a aucun thème majeur. Au moins en 2007, on avait Sarkozy qui balançait sur l'identité nationale, etc. En 2012, on avait le changement. C'est maintenant. Il y avait de véritables échanges. Il y avait quand même des thèmes majeurs qui structuraient. On était pour, on était contre. Là, en l'occurrence, il y a un vide intersidéral. Alors oui, et alors, il n'y a et, aucun et, sujet et... qui ouais. est lancé. C'est absolument. Il, incroyable. il peut même pas y avoir de thématique parce qu'en fait, tout le monde travaille des alliances en ce moment. Les mecs sont pas occupés à développer un discours. Ils sont juste occupés à savoir qui va venir vers eux. Et alors, regarde le plantage en trois, des trois dernières semaines de Hamon. Euh, je t'aime moi non plus avec Mélenchon. Et puis il y a Jégot qui l'a rejoint, mais alors après, euh, il a fallu 250 euh, euh, et suppos anti là pour que ça passe. C'était terrible. Oui, euh, Monsieur K. Ouais, deux remarques. La première, c'est que <coughs> François Bérou a été de droite une autre fois au monde du programme commun. Ce qui de est pas forcément un bien d'ailleurs, mais oui. Non, bah, pour ma part, en tout cas, je, je me félicite. De la rédaction du programme de, je crois, c'est législatif de 91. Arnaud, vous me corrigez si 93. 93, merci. Euh, J'étais encore très jeune, hein. j'avais 14, 15 la ans. la première fois que j'ai voté, moi. J'avais 13 ans, oui. Bande de jeunes. Euh, permet... Mais quel beau programme. Euh, malheureusement, les programmes enfin, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et... Charles Pasqua d'Exit. Et, et la, la deuxième remarque, c'est que je pense là à, à notre vieux camarade euh, Ratier, euh, en, en voyant justement le ralliement des centristes dans ce centre-droit, centre-gauche qui se rabiboche, qui passe. Qui, ça me rappelle aussi un peu l'ouverture de, de Sarko en, 2000, en 2012, en 2007, pardon. Euh, c'est Donc, on est dans le macronisme, là, et on est dans le bérouisme. C'est-à-dire c'est tous ces gens qui se sont raccrochés à la candidature Mitterrand quand il a fallu... Pour refaire carrière, pour se recycler. On a oublié un monsieur comme Besson, ouais. qui était quand même la quintessence du macronisme. Oui, ouais, d'ailleurs, dire... bah est, est, je, je me demande pourquoi il, il ne ferait pas un retour. Bah, euh... Peut-être que ce sera Walking Dead cette semaine. Ouais. Tu vas le je pensais, revenir, je euh... pensais aussi à un autre suspense écrasant qui va quand même euh, là, nous faire perdre aussi 10 kilos après celui de Bérou c'est que va faire quoi Hein <laughs> Le dimanche à Bamako. C'est le jour de Ramayad. Bah elle pourrait par exemple être candidate au Sénégal. Ouais, ça peut être une, un bon truc. Mais je crois que Miam Miam m'avait essayé à un moment. Kofi, euh, et ça n'a pas marché non plus. Il euh, n'y a que la Bretagne. Euh, non, pardon, euh, nos camarades bretons. Oui, euh, euh, qui était-ce blabla. Clémentin. Je vous trouve un peu dur pour ah. Beyrou euh, oh, Parce que en fait, le centre, c'est pas Beyrou C'est de montrer que Macron fédère. Il lui a fait des appels du pied, ça fait des semaines qu'il lui fait des appels du pied. Et là, enfin, la mariée dit oui. Euh, donc, j'ai l'impression que ce qui est, ce qui est démontré, c'est un entraînement de Macron à qui rien ne résiste, même ceux à qui on fait des appels du pied finissent mais es par céder. T'es en train de dire que les médias veulent nous proposer ça comme grille de lecture Oui, j'ai l'impression. Voilà. Ouais. Parce que la réalité, c'est quand même que euh, il a passé euh, la, toute la semaine dernière, une semaine assez horrible, euh, euh, sur le plan, euh, sur le plan euh, historiographique. historiographique, mais dont euh, je maintiens qu'il l'a fait parfaitement exprès de taper. La manif pour tous, c'est de taper sur l'histoire de l'Algérie française. Il fait est -ce, qu on, on, ce que j'ai déjà dit, ce dont on parlait avant de démarrer au micro. Il fait du Trudeau. C'est-à-dire, voilà, moi, je pense ça et avec moi, c'est comme ça, en fait. Alors après, il s'excuse, il va voir les gens, il leur sert la pince, il fait du sirupeux, mais il fait exprès de mettre les pieds dans le plat. Le post-nationalisme, le post-nationalisme, c'est ça. C'est j'évacue tout ce qui a pu... Cliver, fédérer, vertébrer. Abosy disait tout à l'heure, Maître Abozy disait qu'il n'y a rien à bouffer dans cette campagne. Mais c'est l'objectif du banquier qui a rien à manger. Moi, a, encore une, une fois, il n'y a pas de programme il n'y a qu'une stratégie de conquête de pouvoir. J'avais une question justement pour, pour ouais. Maître Abozy s'il pouvait commenter un petit peu l'incident sur la, sur la question algérienne avec Macron, je serais, je, je serais curieux d'avoir son avis. Alors déjà, plusieurs choses. Bon, <laughs> tout d'abord, quand Emmanuel Macron nous dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, première question, il est en Algérie, hein Mmh. Euh, de quelle euh, colonisation parle-t-il Est-ce qu'il parle yes. Est qu part de la colonisation de la Provence, de l'île de France Certains euh, diraient de la Kabylie, d'autres vous diraient certaines régions du Moyen-Orient. Il faudrait quand même préciser. Hein. Est-ce qu'il parle de la colonisation de l'Espagne parce que qui le... est quand même la plus longue de l'histoire de l'humanité. Ouais. Hein. Si, mais il y a un crime un peu avéré, quand même, historiquement, c'est celle non, mais y a du Maghreb des crimes... par les Arabes, <coughs> hein, quand même. Non, hein, mais ceci euh... étant posé. discuté euh... il n'y a pas longtemps avec un Kabyle qui m'a dit on a pris cher, quand même, hein, que, personne que, n'en parle. Que la colonisation ait généré des crimes, c'est absolument évident, personne ne le conteste. Euh, mais euh, bon, euh, le crime contre l'humanité, on sait ce que ça veut dire. Et c'est quand même mettre, si vous voulez, cette notion, enfin, appliquer cette notion, à ce qui est malheureusement euh, quelque chose d'absolument habituel et de, de commun et de courant dans l'histoire. Ceci étant posé, moi je pense que euh, cette affaire est extrêmement profonde en vérité. Pourquoi Nous sommes dans l'ère du vide. Macron incarne l'ère du vide. Pour moi, Macron, c'est un croisement entre le programme de Dominique Strauss-Kahn et le charisme d'Étienne Dao. Donc, euh, entre un on ne critique pas Étienne éteint, Dao. Autant pour moi. Daan, Daan de son vrai nom. Un vrai Breton. La puissance Nous sommes vocale, dans du vide. La puissance vocale que, on peut dire. Je me suis infligé les discours. Il était au PFN, lui. Je me suis infligé les discours de quasiment euh, tous les candidats. Ils, ils sont qui. tous sur YouTube, c'est très facile de les retrouver. Et moi, ce que je m'aperçois, ce dont je m'aperçois, c'est que on ne parle que aux gagnants de la mondialisation, sauf Mélenchon, mais il parle aux déclassés de la mondialisation. Donc, il parle encore des gens qui en ont bénéficié. On ne parle pas des gens qui sont tout autour. Ces gens-là, ils n'existent pas. Donc Macron, d'ailleurs, calibre petite parenthèse, sa, sa campagne sur les winners de la mondialisation. Ceci étant posé, l'affaire algérienne de Macron, pour moi, va avoir des échos profonds dans le peuple français parce que. Je pense que ce que se sont dit beaucoup de gens, c'est qu'il a pété un pont. Et on se sont dit finalement celui-là ce n'est qu'un petit jeune et tout simplement il n'a pas les épaules pour être chef d'État. C'est peut-être une sa seule erreur d'ailleurs, c'est d'avoir oublié à un moment pendant peu de temps qu'on était dans un pays de vieux. Exactement. Et puis moi je me mets à la place et que 13 millions d'électeurs sont plus de 65 ans. Et puis euh, je me mets à la place de tous les baby-boomers et compagnie euh, se dire que ce mec-là va quand même leur passer devant. Consciemment, inconsciemment, ah ça, ça va leur traverser l'esprit. Ça, c'est l'autre forme du dégagisme. Je rappelle quand même que euh, Macron n'est pas un phénomène isolé, loin de là. La plupart des entreprises du CAC 40 ces dernières années, j'en ai fait d'ailleurs une chronique, me semble-t-il, hein, on, on fait sauter les quinquas. Aujourd'hui, dans les grands groupes, AXA, machin, etc., dans les grands cabinets, de loi et Touche, partout, il y a des quadrants. On a misé sur les quadrants, on a sauté une génération. Macron fait partie d'un mouvement général. Euh, de dégagisme, jeunisme. Moi, j'ai pas été invité. Hein. Encore, c'est pas du jeunisme. Parce que c'est pas la prime à la jeunesse, mais on, on capitalise sur la durée de vie et le dynamisme et, du mec. Pas de et la je, je, je vais te jeunesse. dire, le je tombe, c'est d'autant plus pervers que précisément, l'un des sujets qui aurait dû être central. Euh, dans cette campagne, c'est le massacre à la tronçonneuse de la jeunesse française. Je rappelle que pendant la période de la colonisation, tous les pays d'Europe, tous les peuples d'Europe sont partis à travers le monde, sauf un, le peuple français. Non. Pourquoi Parce qu'il était heureux chez lui, tout simplement. Pour la première fois dans l'histoire de France, les jeunes se barrent. Les jeunes se barrent. 80 000 par an. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus pervers mmh. que quand on nous parle du sol migratoire, on, on, on intègre les Français dans les immigrés pour nous faire croire qu'il y a une euh, remigration yes, massive. Yes, yes. Ouais. Mais donc, 80 000, 000 par an. Ce thème qui donc, aurait dû être un des thèmes principaux, à savoir le massacre à la tronçonneuse de l'avenir des jeunes par leurs parents, parce que c'est quand même ça la situation en France, c'est les parents qui ont massacré l'avenir de leurs jeunes, eh bien, ça n'existe pas, et donc on le gomme peut-être par ce maquillage dont tu viens de nous parler, en mettant donc des potiches. Alors, euh, moi, ouais, j'ai une théorie, et après je passe euh, le micro à, à, à Xavier et à Thibault, et à euh, Arnaud. Arnaud, oh là, je fatigue. Euh, non, je vais même plus loin, je pense que... Le, 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 le Macron positionné à cette étape-là, c'est juste aussi pour que tous ces sujets-là sonnent creux. C'est-à-dire que lui, il est lui-même le produit de, de l'effondrement et de tout le reste. Donc de la guerre d'Algérie, il n'en a que la vision des livres Bordas Nathan Hachette. Hein, il a pris la même. Nathan. Hein, Nathan. Il le dit lui-même d'ailleurs. Attends, reviens. Oui, oui, il le dit. Donc en fait, c'est pour ça que je disais que c'est une forme de dégagisme à la Trudeau. Quand Trudeau se fout en tête de la Gay Pride à Toronto, il nous explique que peu importe que le Canada ait été un pays très chrétien, etc., machin, maintenant c'est ça. C'est tout. Et c'est ce que j'appelle la mise en place du modèle. Peu importe même d'ailleurs que Macron gagne derrière, si c'est le modèle qui se met en place discursif, celui qui aura gagné gérera ça. Hormis euh, Mélenchon-Le Pen, qui pourrait gérer des options un peu différentes. Mais là, partout, tout le reste, à la limite... Euh, Mais ce, ce plan... Macron inaugure l'ère du gestionnaire. Je suis une... C'est-à-dire que ça peut être Macron, ça peut être Tartampion, Trou de balle, on s'en fiche complètement, non, ça peut être n'importe qui. Il n'inaugure pas, ça fait longtemps qu'on n'a plus que des, que des gestionnaires. Non, non, C'est euh, le gestionnaire euh, assumé et qui, le, qui, euh, se pardon, se, qui, se qui se revendique comme tel. Parce que des gestionnaires, ça fait quand même un, un petit moment qu'on qu a des gestionnaires de mondialisation. Mais qui du, du Gestionnaire. Qui pardon, j'ai pas été complet. Du gestionnaire de l'après-national, c'est-à-dire du vivre ensemble. Du, du roman, oui, du storytelling qui se met en place, de celui qui nous dit il y a plus de nation, il y a que des espaces qu'on va cohérer part de la coexistence. C'est la vraie c'est la vraie nouveauté du discours de, ouais. du discours de Macron, de c'est cette, cette affirmation de quelque chose qui était intégré mais plus ou moins caché par, par ses prédécesseurs. Parce que là, on a vu, il y a eu cette, ce, ce, ce discours sur, sur la colonisation, mais il est revenu dessus, puisqu'il a quand même aussi déclaré qu'il n'y avait pas de, de culture française, que l'art français, il ne savait pas ce que c'était, qu'il n'en avait jamais rencontré. Donc, il y a, pour le coup, il y a un volontarisme. De, du, de ce, de de ce négationnisme euh, euh, national et de, et de cette volonté, en effet, de passer à une, nou une nouvelle étape de la mondialisation. Où et d'ailleurs, on, on ne se cache plus, pour, on, on y va de à Xavier, un visage complètement découvert. Xavier, tu as dit qu'il s'était amendé, et tu as parfaitement raison. Par quoi a-t-il remplacé son expression crime contre l'humanité Crime contre l'humain, génial. L'humain d'abord. Nous, nous, nous tous, mais non, nous tous, nous tous. We are the world. C'est pour ça que Béroud doit l'avoir mauvaise, parce que ça fait 25 ans qu'il porte ce truc, et finalement, il est obligé de le faire porter par un autre. Arnaud, M. K. Alors ce qui est très drôle aussi, c'est que si on prend le, <coughs> donc le meeting qu'il a tenu euh, juste après les déclarations qu'il a donc, prononcées à Alger qui ont créé la polémique, il l'a fait où À Toulon. Toulon fait partie de ces villes. Euh, la droite varoise. Euh, la droite varoise qui est là, pour le coup, on embrayerait sur, euh, sur des comportements qui tiennent plus de la criminalité et de dès qu'il s'agit du bâtiment. 14 heures du matin. <laughs> je sors le 9, je vois Macron. Voilà. Et c'est surtout, il a fait à Toulon, il y a. <laughs> non, 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 pas tout de <laughs> suite, les flics et Où il y a une importante communauté pied noirs. C'est historique. Ouais. Ils étaient un peu vénères, là. Ils étaient un peu vénères, ils se sont montrés. Et, surtout... et là, qu'est-ce qu'on a vu Pour l'histoire, on parlait tout à l'heure des baby boomers et des gens qu'on ont un achartain. C'est que les gens qui ont été. qui ont manifesté contre Macron, et qui à mon avis constituait euh, l'essentiel des manifestants, indépendamment des images montrées par euh, BFM TV qu'on devrait appeler euh, maintenant TV Macron, euh, c'était des gens qui avaient quand même plus de 60 ans. Micron. Je ouais. me qu'on l'appelle Micron. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'effectivement, il avait une salle d'huile. C'est un peu normal à Toulouse quand on tient des propos pareils, mais c'est pas ça, c'est quand même, et là je pense que c'est fait sciemment et que ce n'est pas du tout... Euh, un... une erreur de sa part, c'est quand il dit en réponse toujours à cette question-là, il utilise la fameuse, le fameux, je vous ai compris. Oh, c'est génial ça. Oui. Alors, eh... persiste ici. <laughs> alors, et, a... et, et signe. après ça. son collapse sur Jeanne d'Arc, euh, maintenant le v'là. Euh... gaulliste Non mais il va pas bien lui. Non euh... mais alors c'est ce qui est le plus drôle, c'est qu'il il a dit, euh, la, la République vous aime. Donc on revient au discours maternant de Ségolène Royal, qui est un de ses soutiens les plus flagrants. Euh, Ré... Euh... 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 Ne jamais oublier que Royal un avait dit. C'était un rapport d'intelligence. Euh... Non, mais on peut lui Roi... faire Royal en 2007 avait dit Je serai une mère pour vous. Ouais. Quand... Non, mais quand on parle. La mère de, de... la patrie. Oui, mais euh... c'est ce qui lui a permis, a permis de faire un score très important. J'suis je suis une mère pour toi. <laughs> <laughs> c'est Marie Ségolène, exactement. La Marie Ségolène. Et ce qui est très drôle. Donc, Marie Ségolène, dit... Mitterrand en fait. Mmh. Hein, Mitterrand, la ouais, vierge de France. <laughs> Et donc, il, euh, il, il utilise le terme euh, La République vous aime et il dit Je vous aime et je vous ai compris. Mmh, mmh. C'est pas beau, ça Ça veut dire qu'il avait, dans, dans son histoire de storytelling, il a dit en fait. Ça rappelait que Bérou avait tenté de se marier avec euh, Royal euh, à une époque, là, hein, pour oh. faire un ticket. Bon, finalement, ça se fait sans elle. Elle doit être un peu verte, là aussi. Hein. Bah, de toute façon, euh... je pense, pour terminer sur euh, ouais. Micron, que euh, ça, ça se confirme de plus en plus. Ça nous a été dit par un certain nombre d'amis. Euh... Il est gay. Euh, non, ça, c'est oh, oh, non, non, pas vrai. Ça. Non, c'est pas vrai. Ça. Non, c'est qu'en fait, Hollande. <laughs> non, Slate, Slate a dit que non. Hein. Non, hein, pas tout le temps. Alors. <laughs> non, c'est qu'Hollande, en fait. Euh... Il, col... pas... il fait dans la collection de vieilles. Non, c'est que Hollande, en gros, va certainement le soutenir. Et, euh... De toute façon, déjà, parmi les soutiens de Macron, il faut jamais oublier qu'il y a le fameux Jean-Pierre Mignard. Qui est Jean-Pierre Mignard C'est un avocat, mais qui n'est pas n'importe quel avocat. Ah, bah oui. C'est euh, celui, c'est l'avocat, c'est le meilleur ami de, euh, de et ben de oui, Royal. C'est celui qui a permis que le couple Sarah Bush pour oui. des histoires de SCI. Mmh. Oui, Clémentin. Juste une petite parenthèse, effectivement, euh, Hollande, dans les milieux autorisés, commence à rallier euh, Macron, plus ou moins ouvertement. Il l'a fait au Conseil économique et social. Récemment et euh, ça commence à sortir. Ouais. De toute façon, la preuve que, euh, en fait les Hollandais, les purs, les derniers cercles des plus proches de Hollande. Volant. Ça fait pas, ça fait pas l'ours. Non, euh, non mais ils sont 12 C'est par, par rapport <laughs> à Par rapport aux questions de, de Hamon et de et de, et de Mélenchon, ça veut dire Ou quelque pas. chose. C'est que Hérault, qui est quand même, je pense, l'un de ses derniers fidèles, a dit quand il a, il a, il a, il a fait un entretien. Donc il a peur on, de rien lui. Hein. Il a en début de semaine à West of France. Il a dit. Il n'a pas dit pour qui. Si il a, il, normalement, il est ministre socialiste. On s'attend à ce qu'il euh, soutienne Hamon. Il dit ah Non, vu ses propositions, ce n'est pas possible. Et il dit J'attends. Hamon debout. Et, <laughs> il, il, il a dit J'attends euh, le programme de. J'attends les, oui, oui, euh, les sondages pour alors, savoir alors, Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Le Foll, c'est que... la même chose. Ouais, le ouais. folle, c'est la même non, chose. c'est la même chose. Pour Macron, il n'y a rien de pire. Que si les, que si Hollande et Hollandie se, se rallient ah parce ouais. que ça leur rien ah ouais, et complètement, ça, le, ça leur rattache au bilan. Ça le fait à gauche. Quoi. catastrophique, Hollande. Donc, ouais. euh, je ne pense pas que ce soit une chance pour pour Macron que, que la Hollande enfin le les bribes euh, résiduelles de la Hollandie le rejoignent. Au tu contexte. veux dire la banlieue de l'Elysée Je ne pense pas. Je pense pas qu'il <laughs> qu court, qu court après ça. Après, moi, je, si on peut faire un peu de prospective. Oui, allons-y. Il me semble que la France n'est pas encore mûre pour un Macron. Je pense que c'est vraiment un, un ballon d'essai de, ah cette, oui, de, si cette, de, de cette nouvelle génération. On le lance, mais peut-être un peu tôt. Le, le, pour la prochaine élection, ce sera peut-être... Il n'a que 38 ans. Parce hein. que justement, c'est vraiment... C'est quasiment une nouvelle humanité qu'on qu qu nous propose. Et je pense que les Français sont encore attachés à des référents un peu plus ancrés, un peu plus enracinés. Mais c'est le premier test pour passer à cette nouvelle étape, encore une fois, de la globalisation et de la mondialisation, avec des individus totalement interchangeables, même euh, à la tête des nations. Monsieur Carr, trop... vous êtes charné, à vous de parler. Trop, trop nul <laughs> les Français. Oui, je voudrais revenir un peu sur le parallèle Macron-Trudeau, parce que j'ai appris dans une voiture euh, il y a quelques heures que le, toutes les villes libres du Canada français euh, proposaient de devenir villes ouvertes. Euh, pour les migrants euh, illégaux. C'est-à-dire que c'est dans le texte des, 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 des et, libérations. Et, et, et. Faut-il rappeler que son nouveau ministre de l'immigration et de l'identité est un Somalien arrivé clandestinement au Canada il y a 10 ans, le mec, hein, ou 15 ans ça nous rappelle la nomination de la ministre hein. en Italie, cette mi qui était, je KNG. crois, d'Afrique de, de, de l'Est, et qui, qui Alors, était elle aussi. Ouais, euh, bah, par qui Par qui par bah, Oui, bah, euh, Rappelons-nous, bah, apparemment, le... on peut être français de souche par la naturalisation. On l'a expliqué dans certains partis. Oui, non, mais c'est un Copte, c'est différent. C'était d'ailleurs à l'époque, c'était une coalition donc de la de la Lega et du euh, de la Maison de la Liberté de, de Berlusconi. Mais non, c'était pas ce. Ah non, c'était pas, pas le gouvernement de Berlusconi. C'était le gouvernement de l'ancien. Banquier, le, le vieux. C'est pour ça que je dis par qui. Ah bon? Oui, c'était, euh, c'était Renzi, c'était le président de Sandra. Donc ouais. c'est celui qui avait été euh, l'ancien du FMI, qui avait été nommé euh, le. Oui, Monti, euh, Monti. Oui, c'était le gouvernement Monti. T'as raison. Okay. As raison. Enfin, Les euh... gars, c'était Mario Monti. J'attendais que vous qu le trachiez là-bas. Qui était le Macron euh, Et italien ben de l'époque? C'est pour ça qu'il l'avait fait. Sauf que là, bon, l'italienne, c'est un peu merdé parce qu'en plus, elle la des affaires au Dersh. Alors que Trudeau, il en a 4 ou 5. Alors juste pour Il y a trois paquis, une hindoue, un somalien. Ah, c'est le, six... le Canada de demain. Hein. Est, bah, la France de la presse. Il va hein. le... oui, oui. en faire rentrer je ne sais plus combien. Juste 126 pour, pour, millions Mais juste pour terminer là-dessus, euh, sur le parallèle entre Trudeau et Macron, c'est, euh, euh, tout à l'heure, euh, Xavier parlait d'un de, de, gouvernement post-national. Pour citer euh, Alain Finkielkraut, taisez-vous <laughs> euh, il, euh, ah. il a raison lorsqu'il dit... Euh, que qu'on qu est qu dans une raison, histoire post-nationale. Oui, ça, ça lui arrive dans une histoire post-nationale, c'est-à-dire qu'en fait, on, le, comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, il a quand même dit, il y a une culture en France, ou des cultures en France. Mmh. Il, y a, il y a eu la sortie ces dernières semaines d'un livre, justement, L'histoire mondiale de la France, c'est-à-dire que c'est les autres qui nous racontent. Euh, qui nous sommes et en fait nous sommes un hall de gare. On est un. On ça c'est Attali qui, qui disait bien ça. Sûr, hein. Bien sûr. Les nations a... sont comme des halls de gare. Voilà. Comme des hôtels, disait-il aussi. Ouais, et ça, euh, ça, et ça. en fait cette, cette situation est tout à fait. Attali euh, qui a, a rafraîché Macron chez Rothschild. Évidemment. En merde. Bah voilà. On est on et est tout à fait la dans, commission avec Sarkozy. On est tout à fait dans la situation euh, euh, de, de comparer la France et le Canada de Trudeau et en particulier le Canada français de Trudeau parce que les Français au Canada ou au Québec, mais pas seulement, sont en avant-garde de l'histoire post-nationale, de, du destin post-national. Ils viennent de livrer leur ville aux migrants clandestins délibérément. La France est dans une situation à peu près similaire. Je ne sais pas pourquoi on a cette malédiction, nous les Français, les francophones. En tout cas, on en est là. Mais je, je voudrais mettre ça en parallèle avec la situation de, du, du, du groupe de Visegrad, mmh. ou avec ce qui peut se passer euh, en, en, dans, plus largement euh, dans, euh, dans l'Intermarium, ouais. euh, qui est, je dirais, une autre, une alter-Europe, hein, une contre-France. Quand, quand le président, pour la troisième fois, en 18 mois, le président de la Hongrie, enfin, pardon, le premier ministre de Hongrie, euh, 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 Orban, dit j'offre euh, l'asile, aux euh, réfugiés ethniques en fait d'Europe de l'Ouest. j'offre euh, et d'autres. Je, je, je ne veux pas que la Hongrie devienne la France et qu'il montre Marseille comme le contre-exemple absolu euh, de ce qu'il ne faut pas faire. Et eh bien, euh, je dis simplement, voilà, nous sommes à la croisée des chemins. 2017 sera la croisée des chemins. Soit nous prenons le chemin du Brésil, soit nous prenons le chemin de la Hongrie. Mais il n'y aura pas de troisième voie. Non. Euh, non, pardon de, pour ce mauvais y Non, mais il n'y de, 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 a pas d'autres bifurcation. Il voilà. y a une fourche. On est bien d'accord. Clémentin Deux petites remarques euh, sur le parallèle Trudeau et Macron. Il y a eu une excellente émission de portrait sur je ne sais plus quel média, à France 2 ou à France 3. En France 2. <laughs> en France Oui. Il y a, il y a... À France. <laughs> non, pardon, c'est ah, important. France. Là. <laughs> à France 2. Et qui les présentait en parallèle. On avait une demi-émission sur Macron, qui était enchaînée avec une deuxième partie sur Trudeau. Et, et tout était basé sur le parallèle, où ils présente exactement les mêmes programmes. Deuxième petite remarque sur cette France euh, vue de l'étranger, j'ai plus le titre exact, euh, magnifique, donc qui dépasse les frontières nationales, euh, tout le pataquès. De... Ce qui est amusant, c'est que ce qu'ont présenté ces chercheurs étrangers qui présentaient cette France moins rance de cette histoire de France récit nationale. Euh, ils ont présenté Charlemagne, Louis XIV, euh, tout le manuel que, sur lequel ils crachent en permanence, ils ont fait encore mieux que les pseudo-tenants d'un récit national. Ça n'a choqué personne. Et eux, nous réintroduisent Charlemagne. Donc, euh, remercions-les. Euh... Alors, non, juste un petit mot sur l'histoire mondiale de la France. C'est compliqué, enfin, c'est <coughs> un petit peu plus compliqué, je pense, que, le... que ce qu'on vient d'en dire là. Dans le sens où... C'est Jean-Louis. Bon, c'est mené, c'est mené par historien, un historien. C'est mené par Monsieur le historien du village. Il est agrégé, il agrégé d'histoire mondiale. C'est c'est mené très intelligemment par des gens qui en effet dans leur secteur, on va dire, ont une vraie expertise. D'accord, c'est-à-dire que globalement, on a des gens qui en effet sont spécialistes d'Histoire moderne, d'Histoire médiévale, etc. Euh, et qui font du coup des articles année par année parce qu'en fait ça se présente comme un comme un décadère. Euh... C'est bien, il y a encore des dates dans ouais, ouais, de c'est pas mal. Non hein, non mais a, exactement. Non, non, mais que je je disais, on a sauvé le truc là. C'est pour, pour, pour ça que, que c'est fait, ce fait très intelligemment. Simplement là où il, euh, le projet est pervers. C'est pas seulement, c'est pas forcément d'ailleurs, euh, le titre est mal choisi sous les Histoires mondiales de la France. En fait, quand on regarde les, qu on date, dire, les dates, dates qui ont été choisies, euh, finalement, ils euh, se focalisent sur des événements de l'histoire française. Euh, simplement, euh, pour eux, l'année 732, d'accord, eh bah, ben, ça va pas être celle qu'on va retenir, ça va pas être euh, en gros euh, la victoire de Charles Martel à Poitiers, ça va être autre chose. En 733, il y a eu un truc très important à Narbonne, euh, mmh. un, un grand pique-nique euh, républicain. Si, enfin, si non, je non, mais... non, 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 Narbonne a battu Brigueux euh, euh, 30, 30$ 12 au rubis. En fin de compte, ils substituent, en effet, au roman national, ils essaient en tout cas de substituer au roman national, d'autres dates, ou une autre lecture, qui en effet est une lecture euh, euh, ouverte au cas de vent, si vous voulez, du roman. En fait, il n'y a plus d'histoire de France. En fait, une... ce qui disparaît, c'est le lion. C'est le lion. lion c'est en fait. une alter histoire. Et simplement, euh, et je vous donne la parole, maître Abouzi. Euh, là où c'est très bien fait, c'est qu'en effet, ces gens-là, bien sûr, ont une expertise. Ils savent très bien pourquoi ils le font, parce que tous, lorsqu'on prend l'équipe, ils sont tous orientés idéologiquement de gauche. Un... Il n'y a pas quelle équipe. Vous voilà. avez des noms. Euh... Euh, bah, Boucheron, pas, par pas... bah, Boucheron, entre autres, parce que c'est lui qui mène le truc. Offenstadt, euh... presque euh, rien officiel. Alors là, euh... j'étais très, en effet, surpris parce qu'Offenstadt n'était pas dans l'histoire. Mais Nicolas Offenstadt, euh, que par ailleurs je connais un petit peu pour d'autres raisons, euh, est, est, bon, plutôt, est plutôt orienté sur, euh, est sur la Première Guerre mondiale. Et sur la Première Guerre mondiale, finalement, il y a finalement peu de choses dans le livre. Ah Curieux, ça c'était le début de carrière. Les dames du temps jadis, oui, c'était sa à première fait. partie. Bah ouais, vrai. Mais bon, bref, ils sont. Il ouais, y, 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 y a un parti. Pris. Il est médiéviste en attendant mieux ouais. et historiographe. Il y, y a un parti pris qui est, qui est fait, qui est invisible pour le commun des mortels, qui est en effet, en gros, de noyer en effet et de supprimer le, le lien de la nationalité de la nation. Dans en effet le, le récit historique, ouais. le parti pris n'est pas si invisible que ça. Musique, ah non mais je m'explique. Jamais. Je sollicite vos mémoires. Ah, Rappelez-vous en 2013. Je euh, merci. Je suis ton père. Bien quand titre est respecté. <laughs> merci euh, hein Rappelez-vous en 2013. Allez -y, il, y a, il y avait master. eu ce fameux rapport sur l'intégration. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Exact. Oui. T totalement Orwellien, totalement délirant. Mm. et bien dans ce rapport sur l'intégration, il était préconisé de, de créer ce qu'on appelait une histoire commune dans laquelle la diversité vivre ensemble, pourrait se reconnaître et en fait créer une sorte de nouveau sillon puisque l'ancien quel la, quel sillon la, quel Quelle année ça, c'était quelle année En 2013. Voilà. Tu sais quand est-ce que on a retracé, vous savez qu'il y a un peu dans, dans, dans l'ingénierie sociale, on retrace euh, les sorties des mots, hein, on travaille sur euh, comment, comment les mots-concepts arrivent. Euh, vivre ensemble, les premières bouées jetées dans, dans l'océan euh, linguistique, euh, c'est 2012. Et le vin d'Alsace est complètement madérisé. Ah oui, sinon. Alors, pour le Ça coup, j'ai l'impression de boire un bouchon. Mes, mes, mes récentes lectures m'ont appris deux choses, c'est que la France française, c'est Français, Drudru, ouais. et vivre ensemble, c'est Ernest Renan euh, C'est le premier à avoir... Euh... Mais ceci étant posé, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que cette nomenclature républicaine a altéré l'histoire de France de plusieurs façons ces dernières décennies. On a eu euh, la repentance, fut un temps, on a un petit peu levé le pied là-dessus. Et finalement là, on est passé maintenant à l'étape supérieure de la repentance, qui est cette fameuse histoire commune, une histoire post-nationale, de la même manière que euh, Macron est post-français. Euh, D'ailleurs, sur la question de l'Algérie, je le rappelle, il a dit « Je n'ai de leçons d'amour de la République à recevoir de personne. » Le mot « France » aurait sans doute écorché la main. — Non, mais non, mais... — C'est pour ça euh, peut-être. — Hermeister, ça fait... Euh, de, tout le quinquennat Hollande n'a été peuplé que du mot « République ».— Je suis d'accord. Mais c'est tout sauf un hasard. — Bah oui, c'est une préparation d'artillerie. Voilà, euh, Xavier. Moi, je, je, je trouve ça un très très important cette question parce que j'ai le, le sentiment vraiment qu'on touche un, un point sensible, si je puis dire. C'est que aujourd'hui, on a toute une batterie, comment dire, idéologique, qui nous pousse à refuser la nuance. C'est-à-dire que comme il y a des présupposés idéologiques surtout on va refuser la nuance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, soit vous êtes des gens qui pensaient que tous nos ancêtres sont des Gaulois, qu'en 732 euh, euh, c'était une bataille gigantesque, etc. Soit vous êtes des, euh, euh, des cosmopolites. C'est-à-dire qu'il faudrait choisir entre le simplisme ou le cosmopolitisme. Euh, parce qu'il y a des crispations telles qu'on ne peut plus parler de l'histoire euh, posément en disant oui, peut-être qu'il ne s'est pas passé exactement ça, mais ça reste quand même. Euh, et donc on nous invite à choisir des camps complètement tranché et aussi simpliste l'un que l'autre et ça c'est d'une certaine façon tragique pour l'intelligence et la culture et mais c'est parce que les gens en effet qui, qui qui sont derrière ça ont des finalités idéologiques mais moi moi je pense qu'on peut à la fois être très attaché à un récit national et, et critiquer la colonisation, et avoir, par exemple. Et, et avoir une, visu, une vision mais, mais, nuancée du comprendre bien... l'histoire et, de, et de, Xavier, de, de, de faire du révisionnisme historique tout à fait calme, Xavier, euh, comme doit être l'histoire. C'est malheureusement absolument à personne autour de cette table que je vais apprendre que ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un marqueur d'une forme d'intelligence complexe, c'est-à-dire d'un raisonnement euh, travaillé et que personne n'en veut plus de ça. Ça n'intéresse plus personne, les opinions étayées. Où sont les débats de fond sur le système radiodiffusé français Sur les chambres à air. Ouais, voilà. non, oui, il oui, reste les chambres à air euh, à l'insu de notre mais plein gré. Il, il, bon. il est sur Internet, le débat, Charlotte. Mais, mais c'est ce que j'allais dire totalement évacué de la sphère médiatique euh, publique et privée, euh, des radios. Je me suis écouté en faisant quelques travaux ménagers, là, ces dernières semaines, en faisant un peu de peinture et de, voilà, de, 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 de ravodage à la maison. J'ai mis, mis France Culture. J'ai mis France Culture Bon, hormis une émission passionnante sur la disparition des forêts primaires, là je dois dire, voilà, il y a des mecs là, on avait des ingénieurs, les ingénieurs ils sont moins politiques, c'est plus intéressant finalement, ils sont plus près des problématiques. Euh, j'ai appris un, en, en une heure de temps de peinture, j'ai appris plus de choses en écologie qu'en qu un an de lecture. Hormis ça, tout le reste c'est vachement simple. On, on invite un type gentil qui va vous dire, ouais moi tout le monde est très bien, mais euh, Mélenchon, Le Pen, Berck. Et peu importe que ce soit une émission sur la cuisine, une émission sur la musique classique, une émission sur le ping-pong, au bout d'un moment, il y a toujours oui, pas bien, mais, bien, pas bien. Mais en sens inverse, il faut aussi garder des réactions qui sont de dire, face à ce discours euh, monolithique, on va, on va avoir nous-mêmes un discours monolithique. Je et sais, et, et, et sais. c'est ce une nous réaction est. un peu naturelle, mais de, de, de laquelle il faut, il, faut vraiment, il faut vraiment se garder. Mais aujourd'hui, que... tu le sais, se développe tout un discours qui dit, tant pis pour la nuance, on verra après. Oui. C'est vachement... Euh, C'est oui. difficile à attendre. Alors, Ça alors, attendre. Que ce, ce discours de réaction, à titre personnel, je l'entends pas. Hein. De quoi le, bah, le discours simpliste euh, qui s'oppose à cette histoire homogène. Si, si que, il existe, tu disais, de quand qui... même. De, ah bah de nos entourages au sens très large. Ouais, mais on, on le voit pas loin, en termes de force. Et surtout de, frappe, de, gens, de... Et surtout de gens fraîchement politisés ouais, ou, de... ou qui commencent à s'énerver parce que là trop c'est trop. Et donc euh, ils, braquent le, ils braquent le curseur exactement ouais, enfin, là, on, à l'opposé. On compare un cure-dent à l'artillerie lourde. Je n'ai ah pas non, dit le euh... contraire. Mais Si le cure-dent veut avoir une chance de gagner, faut il faut qu'il soit plus intelligent que l'artillerie lourde. Parce qu'il gagnera pas sur la puissance, donc il faut qu'il gagne sur la subtilité, sur l'intelligence. Il faut qu il que ce soit un cure-dent ninja. Ninja. Ninja souplesse, Arlo. Mais c'est la. la, en fait, la spécialité la... du à la base. Non. Mais bon, Ninja. Oh. C'est la, la vraie question du roman national parce qu'effectivement par rapport à cette histoire qui est une post-histoire, qui est un post-récit, le problème c'est qu'on en arrive euh, comme beaucoup de choses, y compris sur des thématiques comme la nation, euh, le peuple ou d'autres choses, à accepter en fait ce qui a été les marqueurs de la gauche du 19e siècle. Le roman national, en fait. Pendant très longtemps, c'était. C'est Jules Ferry. C est, c est, ça commence avec Michelet et Lavis, dans le sens où les républicains pour. Ce mot est important. Serre Lavis. Euh, les, les républicains pour faire admettre euh, l'idéologie républicaine nous sortent l'histoire, en fait, qu'au grosso modo, depuis Clovis et les 43 qui ont fait la France, parce que là aussi. On a dit de... Clovis et les 43. Les, les 43 qui ont feraient la France, mais ils le sortent. Je suis désolé, dans l'idéologie républicaine jusqu'à la figure euh, les figures meeting euh, de Barra même de Marat de Robespierre les 43 qui ont fait la France Louis VI le gros euh, qui se bat contre les nobles euh, il est, ça participe de la même histoire donc c'est la propagande de, 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 de Peggy en fait oui, euh, il faut arrêter la... avec le roman national de Peggy ouais. et le quand pro... il dit euh, le cœur le, le cœur d'un français doit battre à la fois pour euh, les soldats de l 2 et pour vrai. les sacres de Reims mais qu'ils aillent bien se faire niquer Exactement. ça c'est marbloque dans pas la, dans les c'est parce de... que tu n'aimes pas les soldats de l 2. — Exactement. — Moi, j'aime bien le fond de, de ce cas de cas de y a de raison. Hein. Ça, et je euh... te merde oh, !— C'est concilié d'inconciliable. Hein. — ouais, ben Et donc, non, et le, le problème, c'est que... — Vous, vous arrêtez vos bananes !— Et le problème, c'est que cette histoire du roman national... — C'est pas ça, le, qui, la était, qui était aussi de créer une histoire... Euh, de créer une histoire, je dis bien, pas de faire l'histoire, mais de créer une histoire qui est d'une vision idéologique, en quelque sorte, paradoxalement, c'est comme c'est une vision idéologique qui est de faire croire à, à nous créer un beau récit. Et ben, ça permet même, on va dire, avec... 100 ans, voire 150 ans de après, pour moi, c'est la logique qui admet, qui aboutit à ce que même les tenants du roman national euh, refusent, c'est-à-dire l'histoire mondiale. De, de, et, euh, mais en fait, c'est une annexe de la morale. On annexe l'histoire, comme le disait Taylor à Xavier, à la morale. -à -dire que ah, j'en peux plus de la morale. Voilà, non mais l'histoire devient. en, fait, en, fait... en, plus en ce moment. Non mais l'histoire devient, en fait, une, une grande fresque où l'on voit les vertus. Euh, citoyenniste, d'où l'ouverture du ensemble, etc. etc. Ouais. Et en fait, là où tu as entièrement raison, euh, Arnaud, c'est que, en fait, le, le, le problème, c'est qu'il faut rompre avec cette histoire de, de faire de l'histoire de France justement une espèce de modèle, quelle que ce soit d'ailleurs l'histoire des uns comme des autres. Et lorsque j'entends contester, euh, je dirais, le, 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 les aspects positifs de euh, la présence française outre-mer, mais l'article 4 de, de la loi là, qui avait été proposée, et particulièrement donc, son article 4 sur les programmes scolaires, l'histoire n'est pas euh, une fresque édifiante. L'histoire, et c'est nous devons le dire et le répéter, l'histoire est tragique. Mmh. Notre devoir, c'est de garder le sens du tragique. Oui, la colonisation a été emplie de tragédie, mais l'histoire est tragique et... et à l'inverse, ouais, comme, voilà. hein. comme disait Moras, la bienfrosante présence de Rome en Gaule. La bienfaisante présence de Rome. Donc, c'est à dire que nous aussi, nous avons été décolonisés et grand bien nous en a fait. Oui, il faut peut-être faire une distinction. On a même entre... eu des immigrés hein, avec les Bretons. Paf Il faut aussi peut-être <laughs> faire une distinction entre ce qu'on enseigne et les à l'école primaire et au collège et avec la recherche historique et, et, et l'histoire. Je pense que moi, je, je suis, contrairement à, à Monsieur K, je ne suis pas opposé à, à cette idée de, 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 de récit national qui, qui est une base et après à chacun euh, de lui apporter. Euh, comment dire, de la nuance, etc., par son apprentissage. Mais il faut aussi donner, en effet, une fierté commune à, à, à un peuple, et ça, ça me, ça, me, ça me semble passer par le... par le, si euh, nous par nous le récit national. Sujet, jamais 30, 30, pour terminer. 30 secondes. Jamais, Sauf jamais... que le récit national porte mal son nom. Le récit national n'est pas un récit national. Le récit national est un récit républicain est qui visait à légitimer un régime et qui ne visait pas à raconter l'histoire de France. Bon, alors on va parler du récit français. Voilà. Et comme ça, on aura peut-être quelque chose qui nous qui nous cohérera. Alors Et là en musique, on met la chanson de Maurice Chevalier pour la drôle de Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant, vous le curé le juteux était un fervent extrémiste, le sergent un socialiste convaincu, le caporal inscrit sur toutes les listes, et le deuxième classe au PMU. Et deux d'excellent d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République... C'est encore le meilleur régime ici-bas, et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Quelle horreur Plus aussi, quelle planche de surf. Bon. Oui, mais alors... après, ça donne le maréchal Pétain, hein, les enfants. Hein. Ah, oui, non, mais, euh, non, mais ça donne surtout... Euh, ça donne surtout euh, voilà, un a type qui attrape... Tra... A... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Il y a l'exécutant testament. Il y a des... Il faut pas se tromper, il y a des poutinolâtres, parfois, mais il y a aussi des pétinolâtres. C'est encore possible, ça Ah oui, mmh. la preuve. Ils sont blessés dans cette... J'ai un pote, pote... Ouais, c'est terrible. Hein, là, Je sais pas. Bon, bref. Euh... <laughs> En tout cas, si tu si t'es curieux, tu vas voir l'intégrale d'abozy ça doit faire 18 heures tout cumulé. <laughs> bah, fa face à 70 ans de propagande d'État. Ton, ton truc c'est vachement, euh, c'est moi C'est euh. vachement polonokagébiste quand même. Hein. Euh, c'est c'est les c'est ouais, Je vais attaquer un autre dossier à la fin de l'année. Cubain. Tu dire que c'est mieux que le. Il, il va réhabiliter est... Kim Jong-un. Ouais, ouais, il... <laughs> <laughs> Une autre affaire. <laughs> Le, ouais. juge ah. le juge Je chabosien le sens que ça va me plaire. Je sens qu'on va parler de Chambrière. <laughs> Pas du tout. Oh. Est-ce qu'on va parler de littérature comparée non, avec non. un spécialiste de Rimbaud Non, <laughs> on, va on va surtout parler. De ils ça. en ont parlé. Ils en ont parlé. On était toujours. On était dans le reclassement avec Berou qui se reclasse chez, euh, chez chez Micron. Euh, on peut parler d'un autre qui s'est reclassé euh, cette semaine, à savoir euh, Sarkozy, hein, quand même, qui devient. Euh, Administrateur indépendant de de, de accord pour euh, la stratégie internationale pour la stratégie internationale euh, ce qui est quand même assez génial et c'est ce qui me permet euh, euh, bye de, bye bye. De, de non mais de rappeler par exemple Barroso euh, euh, chez Lehman Brothers euh, voilà alors que hum, juste lui rappeler que la France c'est pas un hôtel mais hein. bah oui, mais lui oui à mon de avis passe. ça y est c'est fait lui lui c'est fait c'est euh, et une grosse passe hein, à plusieurs millions euh, non ça me permettait euh, je, je voulais je voulais faire ce ce, cette jonction pour parler justement de Tony Blair. Tony Blair, que tu nous entends. Non, euh, un réveil. Euh, puisque Tony Blair, euh, on en a dit, euh, on en a dit, euh, voilà, on disait qu'il était plus politique à une époque. Pour rappeler quand même qu'il a amassé en conférences diverses et variées suite à, à sa carrière politique qui date quand même un peu, parti il y a un moment. 80 millions de livres de conférences de confiance, Mais ce n'est pas le champion du monde du reclassement, parce que quand j'ai vu Sarkozy se reclasser, j'ai fait un peu le parnarès Bon, les big boss en la matière, c'est quand même. Euh, c'est quand même. Euh, hein DSK. Bonnie and Clyde, à savoir les, les époux Clinton, 153 millions de dollars perçus en conférence, avec un pic pour, euh, euh, pour le pédophile de Marie. Euh, euh, de de Mme Clinton, comment s'appelle-t-il euh... William Bill Clinton. Ouais, euh, Bill the Bull. Euh, donc Bull Bill, Bill, avec une petite conférence à Hong Kong, à 780 000 dollars l'heure de conf. Ok bye, bye, bye. Euh, À côté, aux trois, euh, aux, 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 en numéro 3 de mon palmarès, nous avons quelqu'un qu'il qu serait bien idiot euh, d'oublier, c'est-à-dire M. Schreider. Euh, monsieur schroeder, qui est Gazprom. toujours hyperactif, voilà. Monsieur schroeder, qui avait dit en sortant, quand un journaliste du, du bild lui avait demandé ce qu'il allait faire, hein, il a dit :« Maintenant, je gagne de l'argent. » Il a tenu parole. Hein. <laughs> il a tenu parole. Il est effectivement conseiller international pour Gazprom, ce qui explique quand même euh, le, 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 le pas de deux de, le pas de, deux de, de, ma, de la chancelière avec, euh, avec Poutine. Hein, cette espèce de danse bizarroïde. Pascal Et... Lassalle sort de ce corps. Oh. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a micro. Et, euh, et effectivement, ces mecs gardent une influence assez intéressante, mais euh, par le biais de confs, de conseils, etc. D'ailleurs, Tony Blair est dans le conseil d'administration d'une douzaine de boîtes. Hein. Pas l'oublier quand même, là aussi. Hein. Mais est, surtout, la, la boîte, comment s'appelle euh, ce fonds de pension qui avait racheté à un moment Marianne, qui était dirigé par un ancien dirigeant de la CIA, où il y avait la famille Bush. Ah, purée. Euh, ah, ah, Carlyle. Ah, Carlyle. Carlyle. Carlyle, Carlyle Group. Oui, Et je crois que. Belle maison de ouais. Et Carlyle, qu'il ne faut pas oublier, euh, Carlyle avait cherché racheté euh, Marianne, je crois, au milieu euh, des années 2000. En Carlisle... 2004, ils ont racheté l'Irak. Et, ouais, ouais. et Carlyle, c'est surtout c'est la boîte qui a racheté, vous savez, quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur et qu'il a dit qu'il fallait revoir les histoires de, vous savez, d'appel d'offres pour le passeport biométrique. Et oui. ce n'était plus l'imprimerie nationale qui euh, avait le droit de faire les passeports et toutes les cartes d'identité. C'était Carlyle International. Voilà, et donc Carlyle qui avait recruté donc, Blair, euh, Bush Père et Fils, Aznar. Purée, on l'a oublié Aznar. Il ne faut pas l'oublier Aznar parce qu'il est pas mal dans le genre. Euh, je me reconvertis. Euh, non, ce que, et, et là, euh, pour me permettre euh, une un, petit, un gros euh, rebondir sur euh, l'affaire Micron. C'était intéressant, c'est qu'à moment, quand Micron a fait son, un meeting à, à Berlin, la télévision française a montré à un moment un des meilleurs soutiens de... Macron, qui explique peut-être le ralliement de Bayrou, parce que ce sont les deux meilleurs amis au palais européens, européen, ils l'ont hanté pendant très longtemps, c'est Cohn-Bendit. Mais ce qui était intéressant de noter, c'était qui était à côté de Cohn-Bendit à mmh, Berlin Je vois qui tu veux dire, vas-y. Le ministre des Affaires étrangères de Monsieur Schröder, Un ancien voilà. verre. Yushka Fischer. Le monsieur qui a dit que, grosso modo, même s'il, dans les années 60, à coups de barre de fer, euh, manifestait contre la guerre au Vietnam, était le ministre des Affaires étrangères. Euh, de la République fédérale d'Allemagne à dire, oui, il faut bombarder la, les serbes. Là, il faudrait faire un petit rappel sur les euh, relations de Barroso au siècle maoïsme, oui. le passé de Cohn-Bendit et les relations de tout ce petit monde et avec... Schröder, évidemment. Qui et commence, qui commence à l'extrême-gauche communiste libertaire. Et les, les relations sûr. de tout ce petit monde avec ce qu'on pourrait appeler le Gladio, c'est-à-dire les mmh. opérations, en gros, de contrôle de l'ultra-gauche euh, par de la alors euh... et, et oui, évidemment, lire le livre euh, absolument indispensable de galer Edwin fils sur euh, l'Orchestre Rouge. Voilà, exactement. Très bien. Donc, euh, tout ça pour dire que Sarko n'a pas choisi un strapontin. Non, et surtout, va... sur, surtout je pense que c'est révélateur quand même euh, euh, de cette... Euh, bah, euh, J'en appelais au, euh, à la nuance, mais là, je vais faire un peu de simplisme. C'est quand même à cette corruption totale, fondamentale ah. de ah. tout ce système... Euh, on, est, on là, on donnait des mauvais points à Berou, etc. Une... En Mais... fait, le système est une corruption. Mais il n'est pas, p... pas, p... pas... P... pas, pire qu'un autre. Il faut vraiment évacuer. Enfin, je dire, il faut arrêter d'avoir de, de, des stratégies en ah, disant peut-être que lui Belges, ce sera ou... un peu moins bien, un peu un, 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 un peu mieux que l'autre, etc. Mais ce tout... système est vérolé du début à la fin. Et la seule façon d'avoir une, une position politique de rupture, c'est de refuser de jouer ce, ce, ce jeu-là, parce que à, à tous, à des niveaux divers, ils sont dans ce qu'on est en train de dire. Et dans, et dans cinq ans, on, on constatera ça pour d'autres euh, personnalités politiques, etc. Je... Et quand on voit l'imbrication de ces gens avec l'oligarchie le, avec le, éco économique, on sait bien que ce n'est pas une question de droite ou de gauche. On sait bien que c'est un système entier. Et donc, comment on peut... Parce que c'est ça aussi qu'il faut essayer de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que oui, on se rend compte qu'ils sont tous... Qu'est-ce qu qu qu'on peut faire C'est refuser... Le jeu qu'il nous propose, c'est-à-dire ce jeu des élections. C'est de un jeu de refuser qui est proposé pour maintenir. Il faut aussi, le... ouais, Il faut en aussi refuser de payer l'impôt. Déjà, commencer par ne pas payer ses, ses, ses amendes. Déjà, on pourrait commencer par euh... ne pas payer ses amendes. Monsieur K, je tiens à rappeler que. Euh... Je sais que ça, ça tombe sous le coup de la loi, mais je voilà, le donne... c'est la police. C'est la police. Non, mais ce qui est. Euh, pour euh, rebondir sur ce que dit euh, Xavier et qui est ouais. très juste c'est que l'histoire du Penelope Get c'est que tout le monde en fait en ennuie Fillon pour parce que le fait qu'il a je pense qu'il a acheté la paix et le silence de Madame Pénélope, euh, Jamais. <laughs> de, de Penelope on lui en fait en lui donnant de l'argent mais elle sait pas d'où elle vient c'est que en fait ça, elle, elle a découvert l'existence de cet argent euh, en même temps que nous hein. oui oui, oui, oui. Il oui, je... euh, y avait l'argent qui tombait, mais elle ne s'était jamais souciée ah, de savoir d'où ça, ça venait. C'est voilà. ballot, bon, quand même. Ce, Celui-là, elle ne l'a jamais en, vu. En bonne, bourge... hein. en bonne bourgeoise. Si c'est ballot, hein, un, petit, et... un petit député de province, il a forcément un château de 850 mètres carrés. Mais, monde non est non mais ça, est cet argent-là, elle ne l'a jamais vu. Parce qu'il servait à payer, évidemment, les mignons de François. Donc, euh, ça, elle ne l'a jamais vu. Mais pour je revenir sur le. Ce aussi, c'est interdit par la loi. Mignon, allons voir si la rose. Et sinon, ce, ce qui est intéressant, c'est que personne, en fait, à part quelques médias, même pas Mediapart ou Marianne en parle. eux qui sont pourtant s'arrogent le droit d'être euh, les plus vertueux euh, sur ces questions-là. Euh, personne ne parle, par exemple, du fait qu'on parlait tout à l'heure, de à juste titre, je dis bien, de, de critiquer à juste titre euh, le fait que Sarkozy, en fait, euh, devienne, euh, gagne du pognon en, en étant, euh, en fait, un espèce de placard doré. Euh, dans un des principaux groupes hôteliers, euh, c'est que personne, par exemple, ne parle de la partie conseil et de la société de conseil de Monsieur François Fillon, qui euh, a eu quand même un moment. Ce qui est quand même très drôle, c'est que la société de conseil que Monsieur François Fillon euh, crée, donc je crois, après avoir été Premier ministre, donc à partir de 2012. En fait, deux jours avant de devenir euh, député. Hein. Devenir. Oui, parce qu'en plus, il a, il a joué sur les histoires de, de droit, il faisait que ça lui permettait d'être député Et je tiens à le rappeler, il est depuis 2012, il n'est pas député de la Sarthe, il n'est plus député de la Sarthe, il est député de Paris. Et celui qui a été élu en 2012, et ensuite avant de laisser sa place à sa suppléante, qui a pris la circonscription de Feignon, il s'appelle Stéphane Le donc en plus, Fillon était tellement efficace dans la Sarthe qu'il laisse sa circonscription à sa socialiste Quand on connaît la composition sociologique de sa, de sa, euh, de sa circonscription, c'est assez drôle. 12 secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas Et le plus drôle, c'est que donc, Monsieur François Fillon crée une société de conseil dont le plus gros client est deviné AXA, qui est le président d'AXA, Henri de Castries. Qui non, Decastre, on dit. de de Castro, autant pour moi et qui... président du Bildelberg. Non, oui, et c'est surtout bah, c'est le président fut... du Bildelberg, merde quand C'est le et futur premier ministre c'est un club de foot. <laughs> c'est ouais, ouais, ouais. une amicale très fraternelle. C'est une amicale <rire> tendancielle. <rire> et c'est surtout c'est le futur premier ministre. Si euh, Fillon ah bah, est en euh, oui, euh, soit euh, peu voilà, élu hein. voilà. euh, oui, juste euh, parce que euh, le camarade euh, euh, Xavier en parlait tout à l'heure quand il disait euh, il faut refuser, etc. Euh, je, je vous invite à une lecture iconoclaste parce que ce n'est pas du tout de notre bord. Mais je me suis euh, régalé, régalada, d'un petit bouquin qui s'appelle No Vote, euh, en anglais, N-O, hein, plus loin, v -O -T -E, euh, qui est un bouquin qui a été écrit par Henri Bueno. Qui dit qu'il faut une abstention totale, il faut arrêter de voter pour ce système, et surtout qui propose euh, euh, des alternatives très drôles comme euh, le tirage au sort de tous les élus en France. Enfin bon, bref. Lisez ce bouquin, c'est très drôle. Le Ça... tirage au sort, c'est pas comme il s'appelle celui qui. Euh... Non, c'est pas le premier à le proposer, on mais est bien d'accord. Non, mais il y avait en France celui qui... Euh, qui avec une préface de Honfray, bon, voilà, Etienne, qui est très à la mode, pas pour moi, hein, mais qui est très à la mode. Un euh, certain sinon. Serge aussi était partisan de ça. Voilà. Mais plein de gens sont, 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 sont partisans de... Et je rappelle que notre ami... Toute vraie la démocratie genre, antique... Georges fait un tracol... Et très partisans. Les, les démocraties antiques étaient fondées sur le principe du tirage au sort, Exactement. mais qui, qui n'a rien à voir avec le hasard, hein, qui a à voir avec le, le destin, certaine façon. On est bien d'accord, mais en, me, en, même temps, étaient, en même temps, ils étaient 10 à 15 000, ils contrôlaient leur tirage au sort. Hein, moi, 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 je voulais juste oui, le, Xavier. Euh, revenir un tout petit peu sur les histoires de conférences à 700 000 euros etc. Euh, il faut bien comprendre que c'est évidemment pas les gens ne payent pas un service. Euh, personne ne pense, même les gens qui le payent, qu'une conférence de Nicolas Sarkozy ou de euh, ou de, de Bill Clinton. Bill Clinton, en l'occurrence, pour te donner ou, le thème, c'était à l'invitation du géant télécom Ericsson. Donc on peut imaginer. Oui, mais en fait, que ce, tout le monde a dit ce sont des en primes. En ce sont des primes pour bon pour bon service rendu. Voilà, c'est-à-dire ah. qu'en fait, les, les sociétés payent leurs employés. Elles les payent après parce qu'elles ne peuvent pas les payer directement quand ils sont au, euh, disons, euh, au pouvoir, donc c'est pas la récompense de leur mérite en disant ah ils ont une analyste intéressante Non mais elles les payent en poste regarde quand ah. Barroso euh, devient directeur euh, pardon euh, comment il s'appelle euh, pas, pas directeur comment s'appelle c'est oh. administrateur euh... non 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 il a un titre très amerlock euh, bancaire CEO. Euh, CEO ouais directeur non exécutif monde de Lehman Brothers. Qui, quiconque a entendu un discours de Sarkozy, c'est bien que ça vaut pas euh, ça, non, ça, ça vaut pas, pas 600 000 euh, Tu peux faire dodo, ça va pas t'empêcher de dormir. Non, ce bien, c'est le saut de puce de l'épaule et, et le problème des narines mais. Mais, mais ça, ça devrait quand même créer une réaction Mais euh, non, mais non — De rejet total, parce que ce système, c'est un système. En fait, les, les, nos, nos politiques sont les employés des, multi, des multinationales. Point barre. Y a, y a, y a les différences — C'est pas nouveau. les différences toi ce que disait la Fargue. — Les différences idéologiques sont complètement de second ordre. — C'est pas nouveau. Rappelle-toi ce que disait le gendre de Marx, la Farc qui disait que ce sont les, euh, les euh, commis de service du capital. C'est tout. C'est lui truc qui disait parler euh, du droit à la paresse. Il y a une petite chose qu'il faut remarquer, c'est que notre presse n'insiste pas trop sur les conférences, précisément. Hein. C'est un sujet qui est connu. Il ah, faut signifiés. gratter pour les trouver les chiffres, hein. mais euh, c'est fatigant. Ce n'est pas, n'est pas, on a beaucoup plus parlé de Pénélope, si je puis dire que des Pénelope. alors que c'est dérisoire en, en d'argent par rapport à ce qui, à ce qui touche oui, comme jetons, comme jetons de Bozi, par leur maître. mettre à Je eh parle en termes de communication. Arnaud, je pense qu'en termes de communication de crise, il vaut mieux parler du Pénélope Biette parce que ça évite de parler des conférences et du conseil de François Fillon. Je pense même. Pff. Si. Même même pas À, ça... à terme, c'est l'avantage parce que l'histoire de Pénélope c'est quoi C'est grosso modo un brave bourgeois de la Sarthe euh, qui euh, n'a jamais été gaulliste social. Ou qu'il a été parce que son parrain en politique était un bouciste chrétien. Était un averti un, un notoire. Euh, ouais, une grosse chiote était... quand même, merde quoi. Voilà. Ah mais, bon. Oui, mais l'avantage de Fillon, c'est comme il s'est marié dans les bonnes familles, ça passait très bien. Mais il y en a plein comme ça, Douste-Moisie et compagnie. C'est tous bien bah, mariés. Douste aime bien, bien le Maroc et les petits Marocains. Alors justement, d'un scandale à un autre, il y en a un qui agite le landerneau de la presse mainstream. C'est celui. Euh, des faux emplois euh, de Marine Le Pen, euh, euh, qui, euh, de son chauffeur et, et, de son, euh, et de sa directrice de cabinet, sa chef de cabinet, euh, non, sa chef de cabinet euh, qui les aurait payés via euh, des fonds euh, euh, passés euh, par l'Union européenne. Alors, euh, petite question à vous tous. Euh, Là, est-ce qu'on va se mettre à défendre une thèse inverse à celle de Fillon en disant que c'est une attaque à hominem, vraiment pour nuire à la personnalité montante électorale Ou est-ce qu'on va dire, bah, finalement, comme Fillon, tout le monde fout un peu la main dans la graisse et joue un peu avec les chiffres euh, quel, est le, quel est votre sentiment là-dessus, les filles Oui, monsieur K. Bah écoutez, premier, première remarque, c'est que euh, ceux qui mettent euh, Marine Le Pen en accusation sont aussi euh, euh, partis de, de l'affaire, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois jugés partis. C'est la première remarque. La deuxième, c'est que Marine Le Pen a porté plainte pour justement avoir un débat contradictoire et pouvoir se défendre. C que c et on a, on a, les médias ont voulu faire le parallèle entre cette histoire des, des, des attachés parlementaires à Bruxelles et le, le Penelope Gate en parlant voilà des attachés, des, euh, en gros, c'est euh, incestueux, c'est familial, etc. La réalité est tout à fait différente. Pour connaître un, un petit peu la boutique, je peux vous dire qu'à euh, Bruxelles, il y a euh, deux types d'attachés. Il y a ceux qui sont détachés à Bruxelles, c'est-à-dire qui sont vraiment auprès du parlementaire dans sa résidence euh, bruxelloise pour l'accompagner dans son travail parlementaire. Et il y a les attachés euh, en circonscription. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui concerne les attachés de circonscription fait l'objet d'une contestation, en gros, du Parlement européen, pour faire simple. Euh, je peux vous dire une, une, une seule chose, c'est qu'il faudra attendre la décision de la justice pour savoir exactement ce qu'il en est. Il y a eu peut-être, des, sinon des maladresses, en tout cas, des, je dirais une imprudence de nommer telle ou telle personne euh, attachée parlementaire. Une chose est sûre, c'est que certaines, certains des dossiers incriminés concernent des collaborateurs extrêmement proches de Marine Le Pen qui leur ont consacré, je ne sais pas, moi je dis ça à la louche hein, de mémoire, entre 15 et 20 ans euh, de carrière. Euh, dire par exemple que Mme Griset... Euh, n'était pas l'attaché parlementaire de Marine Le Pen, c'est ce foutre de la gueule du monde, elle est dans son bureau, et dans le bureau de Marine Le Pen, il y a trois personnes. Le, 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 pro le problème, c'est tout le monde le fait, mais quand tu es le Front National, tu ne peux pas le faire. Alors, mais, c mais mais c'est euh, c'est pas une, une excuse, ça, c'est justement, c'est quand tu es le Front National, tu devrais pas faire la même chose que font, que, que font tous les mais, autres. Euh... Les gars, gars j'ai une question qui pue là. Ça ne viendrait pas de chez Chopin, de, tout ça Je pense que oui, moi. Il y, y a une chose est sûre, ah, ah, c'est qu'il y a, a peut... quelqu'un. Je, je, je c'est que dans le pull, point. Là. Je crois que c'est dans le point. Un attaché parlementaire aurait parlé à la presse, mm. et je crois que ça, la chasse est ouverte. Voilà. Mm. Mm. Ouais. Je sais pas. Je j'entends. Je, oui, J'entends ouais, ce que vient de dire Monsieur K, et, et j'ai pas. Tu, tu connais mieux la boutique que moi, donc j'ai pas de. Voilà. J'entends. J'entends ce que tu dis. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Xavier. Je pense qu'à un moment. C'est un fonctionnement. Ça m'apparaît comme un fonctionnement, en tout cas pour les petites formations. Euh, alors, Tellement le, le front n'est voilà. ouais. pas une petite formation si en tant que tel, mais si budgétairement, euh, sur euh, quand on compare en fait avec les, avec les budgets développés par euh, les républicains, par le PS, etc. Le front reste une petite formation. Et donc, en effet. Bah, je pense que toutes les petites formations, qu'elles soient à l'extrême-gauche ou, euh, alors on va utiliser cette expression-là, à l'extrême-droite, même si, euh, globalement, on, euh, le, on, la, on la conteste très largement euh, tous autant qu'on est, euh, bah, ça ne m'apparaît pas comme euh, quelque chose de scandaleux. Alors oui, en effet, il euh, euh, y a entorse à la loi. Il y a aucune avec... entorse. Je suis... Non mais, on verra, mais... Admettons, euh, je mais non, suis d'accord. C'est je... ça le problème. Oui. Non, ok, mais combien de C'est ce que, c'est ce que, ce que, ce que euh, je me souviens, c'est une expression de, de Jean-Marie Le Pen qui disait oui, euh, quand, si tu veux monter au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'est-à-dire que quand tu te présentes comme un parti de rupture, comme un, par, comme un, comme un parti euh, euh, différent, il faut que tu aies des pratiques il faut que des pratiques différentes, il faut que tu sois plus Mais, même si c'est injuste je suis d'accord avec façon, toi sur le fait sur ce que tu viens de dire, dire les autres, sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord. dit ça qui Dit ça, c'est ceux qui ont le, plus, oui, le cul le plus merdeux euh, qui te disent ce genre de truc. Oui, mais peu importe, c'est pas parce que les gens n'occupent le plus merdeux que toi que toi tu as le droit d'avoir le, le cul moyennement merdeux. Non, mais c'est intéressant que ça devienne un argument quand ça les concerne non, pas non, eux, ça devient un argument, ils deviennent des modèles de vertu quand c'est pour les oui, autres. Oui, mais c'est le principe, le, un modèle ne dépend pas de la personne qui le dit, c'est soit il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Mais justement, bien, je Mais justement, là on arrive, à un, on arrive à un pic du débat qui est très intéressant. Euh, juste qui me qui paraît d'ailleurs même fondamental en ce moment avec l'affaire Fillon et tout le reste, c'est qu'on nous gave de morale quoi. Et, de morale. et cette moraline dégoulinante à propos de Théo, de Mohamed, de Fillon, de machin est tenue par des êtres abjects, journaleux plumitifs qui n'en ont aucune. À aucun moment, on ne parle de principe. Non. Pas un seul n'évoque les principes qui font d'une verticalité humaine. Il n'y a que de la morale. Et la morale. Et c'est pas très moral de faire ça. Mais alors vous vous présentez, mais c'est pas, c'est pas moral. Vous aviez une morale et tout le monde a la morale. Putain et la morale. Sérieusement, c'est parfaitement bourgeois. Voilà. Non, mais d'après. C'est les... juste une saleté bourgeoise. D'après les leçons de Julien Freund, il y a cette essence de l'activité humaine. Moi je roule au super. <laughs> L'esthétique. Les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. L'esthétique, ouais. la morale, l'économie, la religion, etc. Ouais. La morale en est une, ouais, la religion tu, tu en, est une se... autre, la en est une autre, le... et la politique en est une autre. Voilà. Tu prends le seul mec, Julien Freund, qui a su faire euh, un travail de distinction, voilà. Non, mais voilà, pour les plus jeunes, lisez du... ça. Ouais, voilà. Oui, à la limite. Ouais. Mais ce n'est pas, pas pour faire une politique immorale. C'est pour dire que là, en l'espèce, et j'en ai terminé, en l'espèce. On n'a rien à leur reprocher. C'est-à-dire qu'on reproche à Marine Le Pen d'avoir salarié des collaborateurs de 20 ans sur son enveloppe. Non, mais ils le savent bien, bien qu'on va les attendre au, au Mais au elle n'a pas, etc., etc. pas commis d'infraction. Non, mais elle n'a pas commis d'infraction. Ce que je veux ça, dire, oui, c'est que tu as raison sur le fond, Xavier. Mais le problème, c'est que là, sur les faits, il n'y a pas d'infraction. Mais là, là où donc, je suis d'accord avec Xavier. Et donc, ils pourront s'en ils pourront targuer mais, dans quelques mais, mois. Mais il y, y aura un débat contradictoire lors du procès. Bien sûr, mais là où je suis d'accord avec Xavier, c'est qu'il faudrait presque être. Complètement, enfin, tu vois, euh, ninja. Faudrait être, il faudrait être encore pire que. C'est-à-dire, le, 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 le système te dit, tu peux aller jusqu'à 10, il faudrait jamais dépasser 0,5. Je suis d'accord. Il faudrait être complètement parano et dire, OK, vous. Non, mais après, il y a un voilà. autre problème, c'est qu'il faudrait que les gens de chez nous soient totalement indépendants quand ils font de la politique. Certes. Et économiquement. Et voilà eh oui, mais un mais autre ça, c'est encore un autre monde. Arnaud il y a deux choses. C'est même pas un sujet, c'est un autre monde. Hein. Ouais. Y a, je suis d'accord sur le problème de l'exigence morale, mais le problème, ne jamais oublier que le Front est une structure électorale, qu'une structure électorale, ça coûte énormément, énormément d'argent. Bien sûr, parce que tu joues avec les règles de l'ennemi. Voilà, tu joues avec les règles de l'ennemi, et il y a une chose. faut plus d'argent, il ne faut pas non plus. Plus que toi d'ailleurs. Plus que nous. nous euh... Sauf qu'il y a une structure. Y a, en fait, en termes de financement, fait tu... Pour revenir sur la question de la morale. Tu... Alors, je voudrais dire au poètes paysan. Ah, oui, J'ai ouais. déversé un peu de haine. <laughs> oui. C'est qu'il y a deux choses pour euh, l'étonnant la morale et la moraline c'est que personne ne pose la question de savoir qui sont les généreux donateurs. Qui permettent à M. Macron de financer oh, ses alors, meetings. Ça commence là, hein. on a quand même deux, trois idées du côté de Pierre Berger, machin. Ouais, mais la stratégie de l'évitement ne sera pas une stratégie euh, durable. Non, ah, c'est ouais. très clair. Et pour revenir, il y a une chose pour ceux qui ont été les deux grandes structures, euh, les deux grands blocs, parce que ce n'est pas uniquement que des partis, mais les grands blocs qui ont tenu euh, le système politique jusqu'à maintenant et qui ont fixé donc, les règles du jeu à laquelle le front. Je ne sais même pas si c'est les blocs qui ont fixé les. Enfin, vas-y, ouais. C'est que y a, on parle d'assistants au Parlement européen. Oui, pour les autres, il y a tous les assistants dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux. Non, mais tu sais ce que j'entendais, ce qui était très je drôle. Je ne veux pas dire pour que, que je cautionne, mais je veux dire que... il n'y a f... pas à cautionner puisqu'il n'y a pas. de... Ils, ils ont, ont sur le interviewé coup. un petit maire d'hiver droite hein, qui allait au meeting de. Et c'est pas du tout pour dédouaner euh, le petit fion, mais euh, un maire d'hiver droite qui allait au meeting de fion à. À, à Lille et le mec disait ou à côté de lui je sais plus. Le mec disait enfin bah, c'est évident que mon épouse bosse avec moi euh, Lyon et je suis agriculteur. C'est elle qui prend les rendez-vous, qui prend les coups de fil quand je suis sur le tracteur voilà. Non mais le mec t'expliquait il disait mais attends les, le moindre élu rural, il a une femme elle bosse avec un hein. Bon, vous dire par là... Non mais les que... artisans attends, tout justement, avec sa femme. C'est ça qui est passionnant, c'est que d'une vertu d'une vertu française ancienne vertu française, c'est-à-dire finalement cette espèce de travail osmotique artisanal qui engage toute la famille, on en a fait une saloperie parce que des mecs se sont servis de ça. Voilà. Et fions en tête hein, et tous les autres, hein, ils, ont, ils se sont amusés avec ça. Je rappelle l'enquête de Mediapart déjà à ce micro il y a plus d'un mois. 2014, l'Assemblée nationale a rémunéré 52 épouses, 28 fils et 32 filles de députés. Aucune boîte au monde ne comporte une endogamie aussi pure. Voilà. Euh, hey oh, n'importe quelle grosse boîte que tu fréquentes, t'as pas autant de fils de, de cadres qui sont dans la boîte. C'est pas possible. Ça fait une centaine. Non oh, mais s'ils travaillent vraiment, c'est un autre. Après un autre voilà. Autre Après voilà, toute la question est de savoir. Le vrai problème, si c'est l'emploi le C'est député... pas que t'emploies quelqu'un de ta famille. J'ai même, de ta voilà. j ta même famille, entendu le, le père Guedge là, le porte-parole de Hamon parler de député de second ordre. Jérôme, voilà. Mmh. Ce... Non, il parlait des députés de ce ah, Il parlait de bon. morale, j'espère. Et, aussi. et de, de ces petits députés qui, eux, bossent effectivement en famille avec leur épouse qui est là-bas. Parce que les mecs, en fait, ils ont un peu une activité aussi. Ils ont une petite boîte. Ils ont un machin. Bon. Et il expliquait qu'effectivement. Euh, là... Mais. Parce que parce que tout un tas de types sont les grands séides de ce système pourri ils s'en sont servis jusqu'à la moelle eh bien tous ceux qui s'en servaient de manière à peu près honnête et à l'ancienne sont invalidés on est bien d'accord c'est pas le fond le fondement il est le fondement de la problématique il est là. Clémentin ou euh, Xavier c'était juste un détail. N'oublions pas le Sénat euh, dans ses fonctionnements. On parle de l'Assemblée. Euh, ah, le Sénat, Sénat c'est euh, la tirelire. Ah non, non, par contre, on ne parle pas du Sénat, si vous voulez, parce qu'il faut quand même qu'on garde la tirelire au calme. Ah, purée, ouais, la tirelire. excusez-moi. <laughs> la tirelire, c'est le cochon. C'est le moral Ah oui, attends, c'est le cochon en porcelaine, le Sénat. Non, mais ju attends. Juste pour revenir sur, oui, le, sur, sur, sur le Front National, l'idée, ce n'est pas de faire de la moraline, c'est d'essayer de, de, de se mettre à la place de la personne qui vote pour le Front. La personne non, mais qui faut vote pour le rouge, rouge moi, je suis elle, veut elle, elle veut une rupture, elle veut... Elle, elle... En effet, je pense, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur K, il n'y a pas de faute sur le fond, Mais l'image que ça donne, c'est que en fait, ils font comme les autres. Dès qu petite... alors... qu'il y a une petite enveloppe à prendre, etc. Et, donc, et ça, c'est catastrophique au niveau de l'image. De, de je ne suis pas d'accord avec toi. Rends-toi, tu es cerné. Non, là, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi je vais te dire pourquoi. Parce qu'en en fait, l'électorat Front est déjà particulièrement captif et le mec du front de demain matin il va dire ouais ils veulent encore lui casser les voilà hein donc je m'en fous le, le, le tu, tu connais le français hein une fois qu'il a basculé le boucher là ou le charcutier l'artisan qui vote front il vote front quoi euh, elle pourrait, il pourrait mettre une frite ou une brosse à dents à la place de Marine Le Pen sur l'affiche, ça vote. Hein. Euh, C'est-à-dire que là, les mecs, ils vont dire. Euh, Robin... C'est pas très respectueux si pour le. Et non, mais on s'en fout, c'est <laughs> le syndrome Robin Desbois. De toute façon, il nous persécutent. Ça va être que ça. Oui, mais Robin Desbois, faut il faut qu'il ait, qu ait le cul propre quand il monte au cocotier. Voilà. Même si Robin Desbois ouais. montait sans doute Bon, alors justement, attendez les gars. Euh, on le va pour va... rebondir sur ce que vient de dire le lieutenant, bon, ouais. vite, il y a des, plusieurs sondages qui ont été faits, notamment sur BFMVC, comme dirait Jovanovic. Ah oui, ah, <laughs> c'est pas, pas J'aime bien. Allez, Merci euh, Pierrot. Et, et qui effectivement, les mecs constataient avec dépit, je dis bien avec dépit, hein, ouais. tous ces grands analystes de BFM TV disaient que cette oui, oui, histoire, je euh, ça lui, mince, ça l'abime même pas. Oh. Mais pourquoi Pour euh, justement en réponse à Thibault c'est comme ça vient du Parlement européen et que l'électorat considère que quand il a basculé... Allez, chiotte, qu'en de 2000 euh, Tout ce qui vient de l'Europe, en fait, même si c'est avéré... C'est le chômage 2000. de papa l'Europe. Hein. Ouais, voilà. euh, même si c'est avéré, c'est... Euh, ah ben bah non, euh, comme dit euh, le lieutenant, c'est... Euh, Ils l'emmerdent, c'est toujours les mêmes qui nous font chier. Euh, et donc ça ça passe et donc -ce en fait c'est pas la, la preuve plutôt d'une dégradation de la morale euh, de, de la morale publique c'est à dire qu'en fait ils ah s'en sortent bien nous on aimerait bien faire la même euh, ah euh, ben bah c'est euh, la, ça la réalité de l'électeur mon garçon euh... c'est hey, c'est toute une société qui bascule chez Tony Montanza c'est tout mmh. oui mais euh, ce qui est amusant Monsieur est... et après on passe à autre chose là hein. ce qui est amusant avec toute cette histoire c'est que si avec le Penelope Gate par exemple c'est que si ça avait été Sarkozy son électorat lui aurait pardonné mais comme comme Fillon est venu en chevalier blanc, par la morale, curé ouais, de campagne, ouais, ouais. il s'est fait déglinguer. Et j'ai envie de dire d'une certaine façon, même les histoires du front, je, moi je sais pour avoir regardé le dossier un peu dans le détail, qu'il y a rien, ou à peu près rien. Il y a peut-être eu une maladresse, une imprudence, bon, ici ou là, sur 20, sur 20 attachés parlementaires, c'est que dalle. On a un dossier, deux dossiers, bon, et ce sera rectifié. Ils rembourseront euh, ils sont déjà 5, en train de rembourser, 5 000 euros, oui, ouais. de force, puisqu'il y a, a saisi sur salaire. Mais bon, il y aura un rapport de force. Mais ça aurait été... Sarkozy serait passé, là aussi, crème. Maintenant, c'est les Le Pen. Ils sont réputés être népotiques. Donc, tout ça, ça baise en famille. Ça bouffe là où ça chie, machin, très bien. Les Français n'en ont strictement rien à foutre. Rien à foutre, en fait. Il y a déjà eu Rio à l'avant. Oui, en plus. Et puis, il y aura d'autres trucs. Il y en a qui sont concernés dans l'histoire. On constate. Écoutez-moi, s'il vous plaît. <laughs> non, euh, bon, et justement, restons chez Marine, mais passons à autre chose. Jeanne, au secours Voilà. Jeanne, euh, Jeanne. tu as Jeanne. 3 secondes de blanc et Jeanne. au secours. Jeanne et Laurent de Saint-Afrique va t'expliquer ça dans le détail. Ah, Lolo 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 Purée, Lolo, il est bien lui. Lolo, le cavalier solitaire de la cause perdue, putain, ce type, il... Euh, pas Alors. toujours solitaire. Hein oui, pas toujours. Mais... Quand même. Et je l'ai fréquenté, je suis tentant. Euh, on reste sur Marine. Ah, il si, y a du la si la outil pour le Ah, c'est ça, les filles. Ah, ça, c'est la 300 e On apprend des trucs incroyables. On reste sur Marine. Je ne vais pas la refaire, celle-là. Euh, donc, on... <laughs> on reste sur l'actualité de Marine Le Pen. Ouf Mais on revient à cet épisode ô combien emblématique et qui a illuminé nos douces soirées de la semaine dernière à savoir le grand scandale, l'immonde affront fait au grand moufti du Liban, à Birian, à savoir, de voile, je ne porterai pas, cher ami, pour vous serrer la pogne. Voilà. Alors, ça, j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé qu d'ailleurs qu'on en dise un mot parce que ça m'a fait vraiment marrer sur, sous toutes les coutures. Est-ce que quelqu'un veut commencer sur cette affaire du voile Oui. Bah, ce qui est amusant, c'est de se dire qu une partie de la Fafri. Qui, décidément, n'a pas compris qu'elle est sortie de l'histoire depuis un certain nombre d'années. Tiens, euh, c'est marrant, ça, j'y pensais aussi. Oui, vas-y. Et qui ne comprend toujours pas, nous sort les faits. Oui, vous comprenez, c'est des traditions locales. À Rome, est... fait comme le Romain. Depuis quand le Liban est un pays musulman oui. Première question, depuis quand le Liban est un pays musulman D'ailleurs, depuis quand le P Liban bah, est un pays euh, pas, plus, <laughs> pa pas plus ou pas moins qu'un pays chrétien. Pour oui, mais, mais c'est euh... particulier. Non, mais depuis quand c'est un pays Mais depuis quand c'est un pays bah, C'est-à-dire que. Ah depuis... Non, mais je présente, hey, je peux dire ça parce que j'ai plein de potes libanais. Et non, en plus, surtout... des potes de Samir Jaja et compagnie. Et en plus, les sunnites n'est pas. Des de sociodémocrates. Bon, c'est des gens qui aiment bien jouer avec l'acier ouais. ouais. ah, électrique avec les palestiniens. Et l'acide. Et l'acide avec les palestiniens. Acide Et c'est surtout. Non, de... Bon, vas-y. Et en plus, les sunnites ne sont qu'une petite minorité euh, parmi les musulmans du Liban. Bon, c'est ouais, ont... une grosse hein, minorité quand même. Hein, certes, mais... ils ont un Premier ministre qui a surtout un passeport. Non, saoudien. ça, s'en fiche parce que la distribution des postes au Liban, elle se fait toujours euh, ouais. par religion. Tu t'en fous, président chrétien, Premier non, mais ministre. Mais c'est surtout, hein. surtout qu'à Rome, fait comme les Romains et donc imposé. Non, mais ce qui est très intéressant, moi. Ah, mais, mais, le... Mais, le... Moi, ce qui est amusant, c'est que d'un coup, imaginons cette même Fafri, si elle avait accepté de porter le voile. Alors là n'ose pas imaginer. Et c'est justement ça qui m'intéresse moi, c'est le oui. scénario euh, inverse, c'est-à-dire elle -ce elle sa elle, lui, elle aurait mis... été détruite. Hein. Elle oui, oui, oui elle lui met le truc dessus, on se serait marré. Non, ce qui m'intéresse surtout aussi c'est de préciser quand même que elle a vu et rencontré le chèque euh, de la mosquée d'Al-Azhar au Caire qui est quand même le centre mondial de la pensée sunnite okay. que le... et que le mec a rien imposé du tout hein. il lui a serré la paluche, bonjour madame etc. Bon. <laughs> Et encore, je vais me faire, je vais me faire un peu le, le petit, le petit, euh, le, le petit rapporteur, Michel Obama. En... Il y a trois ans, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite elle ne elle met rien sur la tête pour rencontrer les autorités. Et là, c'est génial. Et dans le Monde, il y a un article d'une page et demie qui dit :« Purée, émancipation féminine occidentale, quelle femme !» Je vais juste, faire une remarque sur la sur la laïcité et sur le voile au Liban. OK. Certes, le Liban n'est pas un pays musulman ou en tout cas pas que musulman. Pas que musulman. Donc il euh, n'y a pas, il n'y a, a lieu de, ni de s'offenser ni du retrait de l'acceptation du port du voile de Marine Le Pen dans un pays étranger. Prenons un bien exemple avec le port, le un exemple. <laughs> euh, si Marine Le Pen s'était rendue dans un temple hindou, est-ce qu'on aurait été choqué qu'elle porte un sari sur le, sur le sommet de son crâne Moi, je l'aurais pas été choqué. Non, mais en même temps aurais-tu <laughs> une seconde imagine-tu une seconde Attends. un général de Gaulle en chaussettes alors euh... je vais dire un truc <laughs> le maréchal Yoté n'a jamais n'est jamais rentré dans une mosquée au Maroc jamais parce qu'il disait par principe moi je ne suis pas musulman je n'enlève ne, pas mes chaussures il est pas, il a pas fait comme Fillon alors alors juste pour faut-il rappeler euh, juste juste sur cette affaire de de, de 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 Marine Le Pen elle rentrait pas dans une mosquée c'était ouais. dans le bureau du non, dans le Louis. bureau du Big Mufti. Ah, ju ju juste un mot là-dessus. D'accord là aussi. Juste un mot là-dessus. C'est très. Vous avez raison. De la part. Maître à a raison. Elle aurait mis un voile comme l'a fait euh, Christine Boutin. Je ne sais plus dans quel pays. Et tout le ça gouvernement co... suédois là, devant et... le ministre devant et... devant le roi d'Arabie Saoudite. Aussi. Tout le gouvernement suédois. Peut-être. Deux ça, hein. ça aurait été une les, catastrophe. Les braves féministes là. Ça aurait été une catastrophe pour sa campagne. Donc il y a la communication d'une part, mais de l'autre il y a les principes. Et sur le plan des principes. La laïcité n'est pas une ligne de défense, ni suffisante, c pas du tout de la laïcité ni nécessaire. Est... Or, le problème, c'est que tout, toute la campagne de Marine Le Pen, et ça, c'est la critique positive que je ferai au sujet de sa campagne, c'est que tout est sous le signe de la laïcité, alors que c'est une ligne de défense qui a été enfoncée il y a fort longtemps et qu'il n'y a pas de croisée de la laïcité. Non mais on il est a bien a, il, cas, y a, il y aura peut-être des croisés crois de l'identité française. Je crois pas non, du tout. Non mais juste tout. pour terminer, lieutenant, il, mais... il, y, a des, il y aura peut-être des croisés de la laïcité, de l'identité la, de française. Il n'y a pas de croisés de la laïcité. Donc, qu'elle ait fait ça, c'était un signe de prudence. C'était un, un, une marque de prudence. C'était très prudent et c'était très habile parce qu'en fait, elle a gagné des points gratos. Mais non mais c'était des points, c'était des points gratuitement. Voilà, mais elle a pris des points gratos. C'est évident que ça. A Maintenant, je pense que sur une, une ligne de droite avec un D majuscule comme on aurait parlé le baron Julius Evola le compte n'y est pas mais c'est pas grave non et alors euh, Xavier les mais les... juste pour te dire je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec la laïcité l'incident absolument pas à mes yeux hein. ça a à voir avec, euh, je, avec le côté euh, je représente quelque chose voilà il euh, y a une, y a une, une stature oui euh, Xavier — Alors moi, moi ce, qui me, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est pas l'incident. C'est le côté totalement anecdotique. C'est-à-dire qu'en en fait, on va retenir que, que, ça, que cela de ce voyage. C'est-à-dire qu'elle a rencontré quand même euh, le, le, président, ministre, le président, euh, euh, le premier ministre. Il y a dû y avoir des débats, Elle s'est exprimée devant le Parlement. Euh, — Des échanges. On n'en sait rien. Moi, je ne sais pas du tout ce qui, ce qui a été dit, ce qui a été fait pendant, pendant ce voyage. Non, on retient que, ce, ce, encore une fois, donc c'est vraiment le temps médiatique. Euh, elle a refusé. Euh, Est-ce qu'elle aurait dû Est-ce qu'elle aurait pas dû euh, euh, moi, je trouve que euh, oui, elle a, plutôt, elle, a, elle a plutôt bien fait, parce qu'en effet, euh, on en a marre de la soumission. Et et, et, mais, mais, mais quelque part, c'est très, très secondaire par rapport à, à l'importance de, de ce voyage et des rencontres. Des rencontres euh, et surtout, des... à l'importance des liens euh, entre le Liban et le Front National, qui sont très anciens, avec la communauté libanaise, notamment en France, chrétienne libanaise, que je salue. Parce que j'y ai beaucoup d'amis et, et que, que je révère cette amitié que je peux avoir avec ces gens-là. Et, et, et avec, avec cette idée aussi qu'elle a, quand elle se balade là-bas, de défendre cette autre relation que la France peut avoir avec le monde arabe et avec le Moyen-Orient. Je, euh, une politique qui a été défoncée par un Sarkozy piétinée par un Hollande et, et, voire même par un Chirac qui avait déjà commencé à abîmer c est, c est, c est, et, et elle, elle, elle elle a ce petit... Quelque... Alors, je, je... Mais je pense pour vous que c'était son je premier je pas voyage pas à l'étranger hein. vra euh, vraiment, ouais. vraiment réussi c'est une, une vraie réussite ouais. parce qu'il faudrait le mettre en comparaison non. avec ses autres... Euh... Je ne suis pas marinolâtre mais cette idée là mes chers, cette idée de notre de notre relation privilégiée avec le Moyen-Orient, voilà. Alors après, on pourra me dire, ouais, mais il y avait Nicolas B, à Yad Vashem, ou euh, machin, oui, je sais plus où, tu... machin, etc. En faisant ça, elle cherche le vote juif. Je l'ai vu hein, sur Internet, oui. c'est complètement faux, d'ailleurs. Euh... Non, mais justement, on peut quand même ouais, peut-être juste, ju Ménardo. on peut peut-être juste évoquer, évo évoquer ça parce que c'est vrai que là, tout le monde lui, re lui reproche ou ne lui reproche pas d'avoir mis le voile ou de ne pas l'avoir mis. Euh, quand Nicolas B va faire son pèlerinage à Yad Vashem, tout, tout le monde a l'air de trouver ça plus, plus, ou, plus ou moins normal. Ah, bah dans la grande presse, oui. En termes de, terme de dimitude, je sais pas. Nous, un je, peu je, moins quand même. Hein. Bon, oui, mais en termes de dimitude, je sais pas ce qui aurait été le pire. Or, il y en a quand même un qui passe beaucoup mieux que l'autre. Ah, c'est certain. Maître Abosi, deux points sur, euh, sur, ce, sur cette affaire du voile. Euh, tout d'abord, ça s'inscrit dans un contexte qui, moi, me, me désole un petit peu. Euh, C'est l'absence de discours identitaire du Front National. Et ça, sur-républicanisation, euh, ça sur, sa sur On se rappelle euh, des déclarations de Marine Le Pen euh, au journal de France 2 sur l'islam qui avait choqué beaucoup de gens. Surtout, il y a eu un moment de vérité dans l'émission politique lorsqu'elle était face à Patrick Buisson, puisque là, c'était quelqu'un qui revendiquait une certaine identité française, un certain enracinement. Ouais, avec les bémols sur la personnalité de Buisson, quand même. Hein. Non, mais en tout état de cause, il se réfère à un logiciel. Il se réfère à un logiciel qui, lui, est enraciné. Après, on peut discuter, mais le logiciel, il évoquait une question de la référence aux, aux racines chrétiennes de la France dans la Constitution, ce qui est, selon moi, un point extrêmement important, puisque c'est une rupture avec l'idéologie, enfin, c'est. Une rupture, c'est une amorce de rupture avec l'idéologie du déracinement et des lumières. Marine Le Pen a ricané et elle a dit que tout le monde, n'y a pas besoin de le faire, parce que tout le monde sait qu'on a un héritage judéo-chrétien en France. Bon. donc le fait qu'elle euh, refuse de mettre le voile vient s'opposer à ce discours et vient entre guillemets la requinquer d'un point de vue identitaire, puisque le Front National n'a pas de discours identitaire. Deuxième point qui est encore plus important, à mon avis, dans l'esprit des Français, qui fait que Marine Le Pen va monter dans les sondages grâce à cette affaire. Marine Le Pen a montré avec cette histoire, qu'elle avait des principes. Et qu'elle appliquait ces principes. Oui, oui. Dans un contexte où on a des hommes politiques qui vont enfin, de contradiction en contradiction, euh, de retournement de veste en retournement de veste, et ça, ça ne peut pas manquer de frapper l'esprit des Français qui vont voient, bah, tiens, celle-là, elle a des principes et elle les met en œuvre. Et... D'autant, cher maître, qu'elle n'a injurié ni offensé personne. Bien elle sûr. a euh, refusé très poliment... De poursuivre l'entrevue en disant je me retire, je, je m'en vais. Euh, la veille au soir, on lui avait signifié qu'il faudrait peut-être mettre un truc. Elle a dit non, c'est pas pour moi. On lui avait pas dit bah, dans ce cas-là, l'entrevue est annulée, donc elle s'est pointée. On est, on est dans un contexte d'équilibriste euh, total, c'est-à-dire euh, on condamne le terrorisme, mais on a tous des potes qataris et saoudiens. Tu vois ce que je veux dire Donc là, pour une fois. Eh bien, il y a quelqu'un qui a euh, mis ses principes en œuvre. Et peine sur ce, point. ce qui est très intéressant aussi, d'ailleurs, dans, dans pour, 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 pour terminer un peu là-dessus, c'est la réaction du grand moufti du Liban qui dit attitude inappropriée. C'est vachement intéressant ça. En quoi mmh. Mais il défend tu sa politique, demande... lui, il non, a non, raison mais... ce point Non, du... non, mais il n'a pas raison. De son point de vue, comment euh... ça peut être inapproprié de refuser poliment quelque chose que Pe enfin, Peut-être qu'il part du principe que ces codes doivent être appliqués un petit peu partout sur la Terre Voilà. Aussi que... Donc là, on en, vient, <laughs> on en vient finalement à un autre discours. C'est ça qui m'amuse. Attitude inappropriée par rapport à quoi Bonjour, mettez ça sur la tête. Non, merci. Euh, mais on devait se voir. Ben, on ne va pas se voir parce que les conditions ne me conviennent pas. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié là-dedans Qu'est-ce été... qu'il y a d'inapproprié il, il aurait été effectivement opportun. Qu'il creuse son point de vue pour ensuite que nous on puisse juger ce qui est approprié en France. Oui, c'est intéressant de, de répliquer. Surtout moi, ce qui m'intéresse si, si, dans, dans, dans cette affaire de, de, de Marine, de de, de, de Liban, c'est que finalement, ça pose quand même aussi la question de voilà de, de l'attitude qu'on doit avoir. Moi, je pense qu'il faut être très respectueux, pas obséquieux ni plié. Quoi. Euh, je représente quelque chose et je représente une, une, un pays, une civilisation, une façon d'être. Vous me proposez ça, je le refuse poliment en plus. Et je dis, euh, bah écoutez, non, je viens pas. Pourquoi on se serait... Non, mais je parlais de ce que disait le grand moufti qui a dit « attitude inappropriée ». En quoi vois rien vais... du tout. Non, mais c'est pas très grave de porter un foulard en tant que tel. J'ai ma grand-mère aller au est... marché, non, les cheveux couverts. Mais ma grand-mère n'était pas, pas en, pas en cheveux. De non, mais, hein personne n'était en cheveux pour passer à table, etc. Euh, euh, on se coiffait, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est quand le grand moufti dit « attitude inappropriée », il se fout de notre gueule. Inapproprié à pas quoi de pas comprendre. On... Non mais je veux dire elle, elle, Refuser poliment quelque chose c'est pas inapproprié Je pense elle que ça l'était à l'avance Inapproprié quel que soit Pardon, son euh, choix Clémentin Je pense que ça aurait été inapproprié Quel que soit son choix Non mais ce que dit Abosi et, et à mon avis est très vrai C'est que inapproprié c'est pas pour Marine hein, C'est pour dire aux autres euh, C'est comme ça qu'il faut faire avec nous Voilà. C'est juste ça. Là, il y a quand même quelque chose de l'hégémonie, tu vois, et de euh, c'est moi le boss. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, lieutenant, mais c'était un, un imam, enfin euh, c'est le mufti sunnite, d'accord. J'aurais été très curieux de voir. Elle l'aurait jamais fait. Là, là, on aurait été là dans, dans Evolaland, euh, extra extraordinaire. T'imagines, raconte Nas Nasrallah. Mais ouais, le mec drôle. qui est vice-président, euh, ouais. de fête du Liban, mais là mais moi, on rigole. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle le mais fasse. Moi aussi. Se et je pense que Nasrallah, et je pense que Nasrallah lui aurait, tu vois, limite, il lui aurait tout. fait saucisson, tu vois. Ouais, tu veux boire un coup Non, mais voilà. Un petit Viki. Mais lui, il n'en aurait pas bu, tu vois. Non. Mais il, mais aurait il aurait proposé. Dit un petit Pourquoi Parce qu'il aurait fait justement le pont. Les sunnites, ils sont toujours à, à nous casser les rouleaux, tu vois, à être dans la revendication. parce En fait, ils ont une faiblesse de principe. Alors que le chiite aurait été genre, mais il faut voir, qui a lancé l'alliance entre chrétiens et chiites Ce n'est pas les chiites, c'est le général Aoun, qui est aujourd'hui président du Liban, qui était le premier à entrer en opposition, alors que même c'était, le, le, je dirais, vital pour les chiites du Liban. Et, 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 là, et là, il se passe quelque chose. Après, c'est aussi une question de, cri... encore une fois, les crispations, oui, Xavier les, les crispations dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on serait, il y a... Il y, a, il y a 15 ans, dans une, on serait dans une France où il n'y a pas une, co une communauté musulmane aussi euh, importante, aussi offensive. Ces questions seraient, seraient, seraient secondaires. On ne serait pas aussi sensible à ce genre de symbole. C'est parce, ça, ça, parce que ça rentre en écho avec ce qu'on vit au quotidien. Euh, juste euh, deux de choses. Euh, que, en voiture, Simone. Pour euh, terminer sur l'histoire du Liban, c'est qu'elle a quand même re rencontré le patriarche maronite, qui en termes d'autorité religieuse a plus de poids. Que le, le, le mufti euh, de la République du Liban. Parce que euh, toutes les. Euh, non, mais on parle, si on parle des communautés chrétiennes, c'est que même il le, 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 y a beaucoup de clans et de spécificités. Mmh, c'est pour ça que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de Libanais chrétiens qui ont, qui ont quitté le Liban ces 20 dernières années, quand même. Hein. Oui, mais malgré. tout... le slip monte quand même en poids. Hein. Oui, je parle pas en termes de poids, mais. C'est Tandou que... ou le slip. C'est en termes d'autorité. Elle a quand même rencontré le parti Maronite et là, Et quand on connaît. L'histoire de France et le rapport particulier de la France avec les communautés maronites historiques depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles, euh, ça compte beaucoup plus. Et, euh, et pour terminer sur l'histoire de, de BFMVC qui nous explique, comme vous lui expliquiez à l'instant, euh, lieutenant, euh, donc un Rachid ou un Mouloud qui, euh, qui dit que c'est pas bien le comportement de Marine Le Pen euh, s'agissant euh, du, du refus du voile euh, en, en rencontrant, pour rencontrer le moufti du Liban non pas dans une mosquée parce qu'elle n'aurait pas le droit de rentrer dans une mosquée parce qu'elle n'est pas musulmane mais de juste de l'encontrer dans ce bureau c'est comme un débat merveilleux qui avait été organisé par Ruth El Krief Ruth pour parler de l'identité française ah ça ça pour porter la kippa par contre il y a du monde Routel hein. Ruth El elle elle elle, elle vente des chemises dans les sentiers putain Ruth El oh, mais... Et donc c'était le débat organisé par Ruth même El les pour parler de l'identité française ou pour Il n'y français sur le plateau. Pour défendre l'identité française, c'était Eric Zemmour, le Gaulois, comme <laughs> dit Kozer. Et face à lui, c'était Raphaël Glusman. Je ne plaisante pas. L'Ukrainien. <laughs> non, 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 le Géorgien. Le Géorgien. Non, mais c'est vrai que j'adore ces Pascal débats. T... C'est vrai que j'adore ces débats où t'as euh, Fickel crotte machin et compagnie qui sont là. Ils y mettent les lits. Ouais, non, quand même, euh, machin. Non, ouais, la France, ouais, c'est génial. Ça ressemble diablement à un plateau de France Culture. Ouais. <laughs> Ou de RCJ. <laughs> Mais après, Mais ce, bon, qui, est, ce est, qui est drôle est. aussi, c'est quand même la, la, la Fafri qui a reproché que à euh, Marine de, de, de ne pas faire euh, à Rome comme les Romains, c'est les premiers à se foutent de la gueule euh, d'Hollande quand il avait euh, revêtu. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce, de, cette, de, cette, de, cette, de, de, cette tenue traditionnelle kazakhstan. On aurait dit au un groinster. <laughs> où là tout le monde disait mais quel bouffon t'as vu à quel point et tout ça. Il et... euh, faut ouais, dire euh... que ça lui allait comme euh, des pantalons hey, à Alors quand sais, même ça c'est hey, un autre problème ça hey, un problème esthétique. Je te dire pas de problème de principe justement des principes. Les vrais manteaux des les fourrures. Je vais faire sortir mon petit pathos mais. Ces mêmes mecs qui disent effectivement à Rome on fait comme les Romains et qui se foutent de la gueule notamment des, euh, des soufis euh, tchétchènes ou autres. Quand... Euh, quand on met leur cérémonie tchétchène et qu'on refout de la techno dessus, où les types tournent en rond, tu sais, en... Les derviches. En... Non, non, pas du tout, pas les, pas les derviches, mais ils font des cercles dans lesquels ah. ils psaïnmodinent. Ah. C'est très intéressant et très impressionnant d'ailleurs. L'amoureux des religions que je suis, euh, regarde ça avec intérêt. Et eux, ils se marrent en disant, euh, oh, c'est de Bougne, etc. Mais et par contre, quand Ginette rentre et qu'elle ne met pas le tissu sur la tête, ça y est, c'est la guerre. Ah euh, oh, non, elle devrait quand même faire, faire gaffe, quoi, le grand Noufti c'est pas le mec qui était avec Adolf Hitler et tout. Ah non, c'est celui de Giro Mais Zaline. dans il y a eu ce discours Ah, mais... oh, écoute, entendu. sur les réseaux sociaux, regarde. Non, en vu, fait, le lieutenant, c'est que dès qu'il s'agit de. Bourse, ah, mais Abosi a quitté Terre maintenant, il est dans une stratosphère, ouais, il voit ouais. plus les réseaux sociaux. Mais ouais, non, non, mais en fait, de la part de ces. En fait, Abosi, il est à Televespolska1. <laughs> je savais pas mais <laughs> En fait cette mouvance quoi qu'il advienne Trouvera toujours un truc pour critiquer mais euh, Marine ouais, le Pen. Parce que de toute façon elle a mal au nombril euh, Alors moi je trouve qu'elle était faible la dernière fois qu'elle est passée à l'atelier hein. euh, euh, ah, euh, mais... ah oui forme. justement C'était pas Elle ah, oui. avait des cernes euh... hmm. pas Tiens, bien. Bon, On va rester dans le voile les filles euh, Parce que euh, Recep, Recep... Recep Tayyip Erdogan <laughs> A réussi son coup Il est très bon lui hein. Il y a quelques jours l'armée turque a autorisé le port du voile pour les femmes sous-officiers, officiers et personnels civils de l'armée. Ce qui est une révolution absolument, alors je sais que les plus jeunes mesureront moins peut-être cette affaire-là, mais qui est quand même une révolution totale, c'est la signature de la fin du kémalisme définitive, parce que euh, la revendication des musulmans euh, euh, rigoristes sunnites turcs depuis 20 ans, c'est le voile dans les administrations. Même lui, et pendant les premières années, c'était opposé. Là, on est dans l'aboutissement total du populo-islamisme à la Erdogan, parce que c'est quand même un délire personnel. Hein, bah, c'est le nouveau sultan, c'est tout. On a non, il y, y a plus que ça. Il y a quand même un délire personnel. Oui, Monsieur K, qui fait une moue de 30 mètres de douze. Non, mais là, je reconnais bien les vieux fafs qui sommeillent en vous. Pourquoi Parce que vous êtes, vous êtes des fans des loups gris de toute cette euh, salade laïcardo, euh, socialo, nationalo, euh, occidentaliste Absolument de, de, de Mustafa Kemal. Et pour moi, j'aime beaucoup euh, Mustafa oui. Kemal. Ben justement, parlons-en. Euh, si, si, si on veut savoir ce qui se passe en Turquie, on ne peut pas faire l'économie. À un moment donné, il faudra bien en parler. Alors ce, là, ça va être trop court. Euh, de faire une émission entière sur les mais et ce qu'a été le kémalisme et ce qu'a été les jeunes turcs par rapport à la révolution bolchevique. Le génocide des Ukrainiens, des chrétiens d'Ukraine, euh, je été... suis d'accord avec toi. Et donc il faut savoir il ce que c'est que les Donmets, il faut savoir ce que c'était les, les jeunes Turcs, et ce qu'a été la révolution laïcarde étatiste euh, nationaliste à la française. Et je suis moi je m'enchante depuis 20 ans maintenant de voir que la Turquie revient à ses vrais, euh, à, 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 à à son vrai chemin, qui est d'être une nation vers tournée, vers tournée vers l'Orient, tournée vers l'islam. Et qui regarde ne pas regarde pas Sauf que point. là, tu commets une erreur terrible, mon cher ami, et pourtant là, je te connais plus clairvoyant. Je crois absolument pas que Erdogan joue à ce jeu-là. Erdogan, Erdogan c'est euh, la stratégie, c'est la trajectoire du fou, la diagonale du fou. Il joue avec l'islam quand ça l'arrange, avec l'OTAN quand ça l'arrange, avec, avec Poutine quand ça l'arrange, et je rappelle quand même accord militaire oblige avec Israël aussi quand ça l'arrange. Hein, accord militaire, pardon, hein, et de, de survol aérien et compagnie. Donc je ne crois pas du tout que ce soit, euh, que ce soit quelque chose qui, qui participe d'un retour vers l'Orient. Pour en avoir discuté il y a peu de temps avec des Kurdes, en fait, il va chercher dans les campagnes turques le soutien qui commence à lui faire grandement défaut dans les ensembles urbains. Il va s'appuyer sur la frange conservatrice de la Turquie, qui est agricole et musulmane. En, atoli, en Anatolie, euh, voilà, certainement... Anatolie centrale, etc. En disant, bah, c'est là que. Hein, parce que les villes commencent à péter un boulard de voir le bordel qu'il institue. Voilà. Et quand je dis la fin du kémalisme, je parle, ne je, je suis absolument pas nostalgique de ce qu'a pu être le kémalisme historique mais de l'idée li qui, qui m'intéresse moi, à savoir que la Turquie n'était non pas pour moi un trait d'union, mais une espèce de zone tampon qui nous permettait à nous de discuter avec l'Orient et à l'Orient de s'arrêter à la Turquie. Erdogan est en train, de, au contraire, de réintroduire l'affreux robinet. Hein il le revendique. Hein. Vous savez qu'il a quand même, il, il donne la nationalité à 2 millions de Syriens. Là. Vous croyez que c'est neutre C'est juste pour se les foutre dans la poche. Et d'ailleurs, non seulement euh, ça lui permet d'avoir des électeurs, mais en plus, comme il leur offre des jobs de merde, euh, à la moitié du prix que les Kurdes acceptent pour bosser, il est en train de, refou de, 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 de substituer aux Kurdes ces Syriens hein, euh, et, et de se faire un lumpen prolétariat magnifique. Donc derrière, on a quand même une politique qui est celle plutôt d'un satrape qui, qui devient dingue. Je pense c'est plutôt du Caligula que, que du Alaouakbar. Hein. Pour moi, c'est complètement ça. quoi. C'est... Euh, c'est euh, Néron. C'est Néron qu'autre chose. Lors hein. de la soumission du dossier de la Turquie à la candidature pour l'Union Européenne, il y avait la fête à Tashkent. Exact. Parce qu'il y a une loi en Turquie exact. qui fait que tous les turcophones sont turcs. Et sont ouais, ouais, ouais. puis fait, là, il y en a du monde. Hein. Moi, ce que je trouve très intéressant, au-delà des jugements euh, sur sa politique, c'est quand même le retour du politique. C'est-à-dire que un homme dans une, euh, à la tête d'une puissance moyenne, au niveau euh, peu influé, sur l'histoire, peut prendre des décisions. On nous explique qu'aujourd'hui, euh, plus rien n'est possible, c'est le marché, c'est le... Là, as un type tout seul qui prend des décisions euh, De extrêmement, ra extrêmement radicales, etc. Et ça passe. Ça veut dire que la, le volontarisme politique fonctionne. Alors là, il fonctionne peut-être pour des mauvaises raisons et pour des résultats inquiétants pour l'Europe, notamment sur sa politique... Euh, migratoire de, bah de, 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 ouais, de chantage migratoire mais ça prouve non c'est qu'on est, est, qu est obligé de lui filer des milliards, mais ça prouve que, qui... que c'est possible c'est à dire que si une nation comme la bien France sûr. avec en fait quelque part c'est une réhabilitation de l'autoritarisme mais ça ça euh... se voit partout on est bien euh... d'accord euh... mal... Ma malheureusement Erdogan c'est le plus grand euh, chef d'État euh... De la région depuis, enfin, depuis 30 ans quoi. Euh, si Non vous... mais pas très, moi c'est pas très grave Sauf euh, si c'est très Alors, grave en fait Pour nos amis chypriotes et pour nous Parce aussi, que lui. ce qui se passe à Genève est à dégueuler C'est à dire que la, la Turquie est en train de prendre la main Sur, sur Chypre totalement Avec la bénédiction de cette espèce de sous-homme chypriote turc euh, grec pardon et ça c'est ça c'est pas hein. Mais pour le pour le re, pour le retour euh, et Tsipras, bon, faut Tsipras. feu voilà. de Tsipras. feu de Tsipras, oui. voilà feu de Tsipras. Euh, pour le retour de la volonté en politique on va pouvoir enchaîner après sur Trump puisqu'on en est à plusieurs semaines de bilan euh, on, on, a, on a aussi des choses à dire là-dessus un, un et Arnaud. un mot extrêmement rapide sur Erdogan c'est quand même quelqu'un qui revendique la colonisation de l'Europe il a déclaré que euh, l'assimilation était un génocide donc lui, il, a, il assume parfaitement le, 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 la, la dimension conquérante. Pour le coup, il y a, y a un retour aux Ottomans, il euh, y, y a une volonté euh, conquérante de l'Europe. Et d'ailleurs, il y a aussi un symbole, je crois, qui va sauter, c'est Sainte Sophie, qui apparemment va redevenir une mosquée, je crois. Bah, elle était euh, plus ou moins non une, non. Euh, une... Non, non, Sainte-Sophie, c'était un, un, un ouais, C'est ce que j'allais dire, dire musée, une mosquée-musée. Euh, musée C'est-à-dire un habillage de mosquée, mais un pas musée, enfin euh, euh, un témoin de l'histoire. Ouais. Enfin, si vous permettez, je préfère que l'Orient ressemble à l'Orient. Que les sous-officiers de l'armée turque ressemblent à des Turcs, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Non, mais je ne parle pas sur ce point-là. C'est là où je crois qu'on n'est pas tout à fait dans le même discours. Je ne suis pas en train de regretter quoi que ce soit. Je suis en train de t'expliquer qu'on est quand même sur la forclusion d'un moment dans lequel la Turquie pouvait jouer un rôle de notre côté comme du leur. Le, le pont Toxin, hein, dois-je rappeler son nom ancien? Voilà. Le, le, C'était un pont. C'était intéressant. Là, honnêtement, on va avoir quand même une tête de pont. Oui, qui va agiter Bosniaque, euh, ouais, Kosovo Oui, il construire contre... des murs. Hein. Il ne faut, ah, faut plus faire des ponts. Il faut faire des murs. Mais le drame, c'est un peu ça. Non, mais on, tu ne peux pas retourne... être d'accord avec moi tout à l'heure quand je te dis qu a que ces connards de Sarko et autres ont détruit 80 ans de politique orientale euh, différente et, et applaudir au fait qu'on laisse un débile devenir le débile en chef. Quand on, re on retourne à des guerres de religion, à des confrontations à des civilisationnelles. Alors que justement, le, le nationalisme arabe permettait une, 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 tr une troisième voie. Et donc, c'est en ça que je pense. Que le... Euh, le kémalisme était, et, et, était, était intéressant parce que sinon on réduit encore une fois les populations. Je suis plus bassiste alors, alors, que kémaliste personnellement. Oui, mais, mais tous ces, ces phénomènes participaient un peu du, 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 même, du même mouvement. Or aujourd'hui, on, on nous propose bah, dans, dans ce cas-là le, le monde c'est très simple, il y a l'occident ah ouais. chrétien. Euh, ouais. Mais c'est ça le. La... Bah, moi je, 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 mais... je ne. Deos Vult, avec... on veut la 16ème croisade, on s'en fout du reste. Euh, bien sûr. Il faudrait d'abord trouver du monde pour faire une croisade. Hein oui, monsieur, les Libanais, oui, ils sont prêts, les chrétiens. Euh... Euh, bah pour le coup, je ne serais pas d'accord avec vous, cher lieutenant. Je ne pense pas qu'il est débile. Je ne pense absolument pas qu'il est débile. Je n'ai pas dit euh, débile, j'ai dit que... Il, il n'est il pas fou pour moi. Bah, moi, je pense qu'il y a quand même une forme de folie là -dessus. Non, 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 il n'est pas fou. Je pense qu'il a parfaitement intégré ce qui est le retour du refoulé de la puissance turque qui, en fait, n'a pas euh, digéré, ce qui, en fait, n'a qu'un siècle. C'est quoi, dans la longue durée, la longue histoire, ce qui s'est passé à un siècle Rien du tout Strictement rien du tout. En fait, je pense qu'il est très brillant et très intelligent politiquement. Je pense que c'est l'équivalent de Bismarck. Oula Et qu'il a parfaitement compris ce est qu'est le rôle de la Turquie. Le non. rôle de la Turquie, si, si, le rôle de la Turquie, c'est pour ça qu'il va à la fois. Parce que quand on a parlé des fameuses printemps arabes en 2011, mmh. ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, mmh. quelle puissance régionale a poussé les deux partis islamistes, qui étaient les frères musulmans. Et Enarda, euh, donc en Égypte, et Enarda en Tunisie. Bah, c'est le retour tout simplement de la Turquie. C'est la Turquie, on est bien d'accord Mais Qui avait été abolie par quoi Par les puissances coloniales, euh, précisément. Oui, la oui, quand a on la... a colonisé l'Algérie, on a foutu dehors les Ottomans, d'accord. Et c'est la même chose, et c'est la même chose, effectivement, comme le rappelait Maître Abouzi, la raison pour laquelle. La mais Turquie... là, Arnaud parlait du traité de Sèvres, euh, ouais. 1922. Oui, bien sûr. 1920, le traité de Sèvres. Euh, la... En 1922, c'est la guerre avec la Grèce où, en fait, on a les minorités. On a euh... Pas d'étalage de culture, c'est fatigant. Non, mais c'est important parce que je pense que fondamentalement la Turquie est une a compris que son rôle était une puissance régionale. La raison pour laquelle, qui explique selon moi le rapprochement très particulier avec Poutine, c'est qu'en fait la Turquie n'a pas dirigé le traité de Sèvres, donc ne digère pas toujours la puissance régionale, les puissances régionales pétentielles que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, qu'elle considère à juste titre comme ses colonies, qui lui ont été volées par les Anglais. Euh, et, les, et les Français. Ouais, enfin, il y a, tu sais, pour Poutine, il y a aussi cette histoire du gazoduc-oléoduc qui sort. Euh, oui, mais ça, ça participe. Moi, ça participe. ça va dans le même sens. Hein. Le Ce que je, je propose, c'est qu'on remette tous les traités de 1919 à plat traité du Trianon, traité de Sèvres, traité on de Versailles. Rass, on, on, traité de Versailles, évidemment. On ressuscite l'Empire Ottoman. Et l'Empire Hongrois gros, merde. Et. Et la Hongrie dans ses frontières historiques. François, je te salue. Et là, c'est pas de la merde. Et là, c'est euh, dimanche à Mamaco, c'est le jour de la barre. Hein. Et la France annexe la Rhénanie aussi, quand même. Oui, aussi, pareil. Allez, c'est reparti. Ils n'auront pas le. Euh... Oui, alors justement, puisqu'on parlait de... de la résurgence de la volonté en politique à l'occasion de Erdogan, on... on va laisser le dossier ouvert hein, entre... entre opportunisme et réel rôle historique de Erdogan. Moi, je. Euh, L'ancien garagiste qu'il est, est me toujours rappelle entre les deux, y a toujours ouais, une part des deux Si Pascal avait été là il se serait félicité De la décision d'Erdogan De refuser l'annexion De la Crimée par la République poutinienne Mais, mais parce qu'il considère que ça lui appartient hein. Ouais je te rappelle que c'est pas pour des visées euh, Les grecs pourraient aussi dire Que c'est à eux hein. Si on veut vraiment jouer là-dessus. De toute façon, vous êtes au courant qu'il y a Je, je crois que c'est une de... république site, en fait. Hein. C'est ouais, les sites. Il y avait le titre des propriétés. Pascal, parce n'écoute pas la ville de Gênes aussi. Euh, les P sites, les là Pendant ce temps-là, temps ah, il y a un tas de mecs qui construisent des mosquées <laughs> chez nous. <mais> voilà. <laughs> C'est-à-dire on n'est pas du tout dans le, dans le trou de balle des anges à, à la Constantinople. Là, pour vous faire, justement, euh, voilà, une, un petit parallèle saisissant. Mais, justement, puisqu'on parle de volonté en politique, je voulais y venir. Euh, qui a pratiquement d'ailleurs éclipsé euh, celui qui avant la représentait, à savoir Poutine, depuis quelques semaines, euh, dans l'actualité, entre Fillon, Macron, les émeutes et Théo, on a Trump quand même. Les journalistes, le monde journalistico-politico-financier français a décidé de faire du Trump, euh, évidemment bashing, euh, tous les jours. Or, force est de constater que Trump, tous les jours, fait la démonstration qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Alors, temps temps, ça A commencer par une certaine ambassade. Ça passe Un pas peu, tout le peu. temps, hein, puisque de temps en temps, euh, euh, il prend des décrets qui sont invalidés par les tribunaux. Mais euh, à la grande rigolade du peuple, je crois, et au grand désarroi de tous ceux qui le contingentent depuis des dizaines d'années, on redécouvre effectivement, plus par Trump que par les autres, que par Erdogan par exemple, on redécouvre la volonté en politique quand même. Le mec qui se lève le matin, il balance un tweet. Dis donc, tu me l'as construit la moitié de mon mur, sinon tu viens pas à Washington. Hein, C'est pas la peine. J'étais la vache. <laughs> C'est quand même hallucinant. On n'avait pas vu ça depuis des décennies. Une telle violence directe. Je veux dire dans une brutalité de rapport. Le, le style Trump visiblement est contagieux puisque euh, Angela Merkel qui a reçu le Angela Angela non, ben, Angela. Ah là 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 là. Euh, a reçu le vice président Pence. Euh, d'une façon absolument inimaginable. Elle a chapitré, elle lui a fait la leçon. Il paraît que c'était d'une heure épouvantable. Mais c'est épouvantable. Alors, Surtout que euh, euh, Pence, excuse-moi de te couper, mais Pence n'est pas un vice-président pot-de-fleur. Trump tout. gouverne vraiment en binôme avec ce mec-là. Hein. Il a un rôle très puissant. en Pence. Je vais vous dire, il y a eu des menaces euh, réitérées euh, nombreuses sur le darknet. Il y, a des, il, y a une, il y a une cagnotte pour ceux que ça intéresse pour assassiner Donald Trump. Donc on peut, on peut, on <laughs> ouais, peut euh, donner son écho lorsque la cagnotte sera remplie, l'agence Toulouse, je crois, euh, procédera à l'opération. Tu sais que tu trouves dans des bars parisiens des, euh, des, des espèces de caisses où on, où on donne les, types, euh, les pourboires voilà. euh, pour, euh, pour se ouais. faire du Trump. Très bien. Moi je suis absolument pour, parce que si euh, Donald Trump est assassiné... Euh, lui qui est le Trumpérateur, l'enculé, le bâtisseur de murs, euh, tu vois, le mec, il faut faire des ponts, le mec, qui fait des murs. Mais vraiment l'horreur, tu vois, le, le mec qui est dans l'immobilier. Le retour d'Hitler. Le... Euh, ouais, quasiment, ça. quasiment. Non, non, c'est pas quasiment, ils ont lancé. Mais, euh... mais, mais sous forme orange quand même, tu vois, c'est. Ouais. Euh, orange is the new black, tu vois. Mm. Mais s'ils assassinent Trump, mais je suis à fond pour. Parce que le mec <laughs> qui est derrière, mais il est bien pire! Mais Pence, le mec n'a pas d'âme, tu vois. Le mec, il, a, il est carrément ah non, possédé Pence, par le démon. Pence, il, Pence il Predator. Non mais exactement. Il ah veut la 16 16e croisade. Ah il ah est oui. chaud et il pense que quand il sera président, euh, c'est directement euh, Armageddon, tu vois. Ouais. Non, non, pas vraiment. Mais en plus, en plus Pence, en plus Pence, euh, je veux dire, écoute ses déclarations sur l'Union européenne, c'est juste, il faut détruire l'Union européenne, quoi. Euh, pour ça, ça va venir un peu ouais. parce qu'ils n'ont pas vu Visegrad, c'est dommage. Ce qui est intéressant, je trouve, par rapport en plus, c'est qu'en fait les, les enseignements euh, juste après l'élection, on a eu tout un discours sur le fait que les médias s'étaient trompés, que les sondages s'étaient trompés, bref tout le monde s'est trompé. Il y allait y avoir une grande euh, une grande remise en cause, un grand ménage euh, dans la façon d'analyser les choses. Et en fait, on a plein de petits détails au jour le jour et de ce point de vue-là, Trump, c'est un, un vrai plaisir qui montre qu'en fait ils sont euh, bah, ils sont indécrotables. Un exemple tout simple la petite déclaration de, de trump euh, il y a trois ou quatre jours par rapport à des menaces alors je n'avais pas entendu j'avais pas saisi peut-être que certains d'entre vous pourront m'éclairer euh, des menaces qu'il y aurait eu contre la communauté juive euh, aux états-unis et donc trump de dire euh, ces menaces tous sont euh, regrettables c'est atroce c'est pas humain tout. et les médias français, en particulier le groupe France Info, France Info, Inter, France Culture, France Nain, Ce de qui dire, est payé par le Ah, voilà. Ah, Donald Trump donne des gages à la communauté juive. Dans quel cas de figure, pour quel président, et en particulier français, assurant la communauté juive de son soutien lorsqu'il y a eu des menaces, tout bah Comme, quel, comme quel, le CRIF d'INER. Hein, quel, journaliste, quel journaliste a osé dire ça Monsieur Hollande donne des gages à la communauté juive française suite. Et ça montre bien, si vous voulez, que globalement, on est en effet de toute façon sur un schéma de pensée qui ne changera pas. Et ça, je trouve que c'est excellent. Non, mais le lobby n'existe pas. Ils sont incapables de le, le lobby n'existe aux États-Unis, hein, ouais. ce que nous a appris d'ailleurs euh, Monsieur Poisson. Et d'autre part, Trump est ultra-sioniste. Ouais, mais mais c'est pas une nouvelle. Mais non, mais mais pas ça, une nouvelle pas un du problème. matin. Hein. Moi ce qui m'intéresse c'est la avait, façon dont les médias envoient. En hein. Non mais justement, justement, il faut pas confondre non, deux choses, il faut pas pour la dissidence. Hein, oui, Xavier, hein. Xavier. Il faut, il faut pas confondre le traitement médiatique et la réalité de la personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que les médias le traitent ouais. comme ouais. un comme un antisémite supernationaliste, qu'il l'est quoi. Et c'est souvent la confusion que font font les gens, c'est-à-dire qu'ils le prennent pour ce que les médias disent qu'il est, mais su... mais c'est faux. C'est pas parce que les médias sont contre lui que c'est forcément quelque il faudrait pas encore une fois agir par euh, juste réac et euh, réaction Je rappelle que Anders Breivik <laughs> Anders Breivik était classé à l'extrême droite alors qu'il était franc-maçon et professionniste N voilà, moi, donc, moi, je, moi, je reconnais que j'ai beaucoup de mal avec l'enthousiasme de, de, pour euh, Donald Trump dans, dans les milieux nationalistes, patri patriotiques, etc. La seule chose, moi, qui m'intéresse, c'est Trump, c'est en effet s'il applique sa politique internationale en disant ⁇ je vais arrêter d'intervenir partout et je vais me concentrer sur, sur, euh, euh, sur les États-Unis. ⁇ Alors, que, 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 ça, ça, je trouve ça bien. Mais sinon, non, ce qui m'intéresse. C'est pas quelqu'un qui m'intéresse en sur, tant que politique. Non, non, mais attends, Trump, c'est tout changé pour rien changer. Il hein, y a quand même une domination. Euh, la seule chose qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il dit ce qu'il fait. Voilà. Et il fait ce qu'il dit. Exact. Voilà. C'est oui, si le de de seul la, truc qui m'a On ne va pas se réjouir s'il fait de la merde non plus. Quoi. Non, dire, c est, c est... mais attends, mais c'est sur le principe, c'est ce que tu disais tout à l'heure à propos d'Erdouane. Euh, oui. C'est juste le principe. Euh, ça, enfin, les auditeurs le savent, j'enseigne. Mais quand je vois mes étudiants effarés me dire. Mais il va vraiment le faire Je dis bah oui, il a été élu pour ça. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait marrer quand même de dire il euh, y a des gens qui ont dit il faut voilà et puis il a dit je vais faire et il le fait. Ah oui mais alors il le fait vraiment Oui oui il le fait vraiment. Et mes étudiants qui ont 20 ans, 25 ans sont même plus habitués à voir un politique faire quelque chose par conviction ou pas ou juste par responsabilité. Ça c'est amusant. Après, oh Oui, c'est euh, un phénomène politique extrêmement Je lève le matin, que je sens. sais où est le capitalisme. Hein. Et il est toujours aux états unis Il hein. <laughs> y, y a deux points qui sont assez importants, me semble-t-il, <laughs> ouais. euh, sur le faire Trump. Je ne suis pas un spécialiste de Trump, mais il y a des petites choses quand même que j'ai notées. Premièrement, on a l'impression que ce soit par le traitement des médias français ou des, des médias US que, paradoxalement, le pouvoir est un contre-pouvoir. Ce qui est supposé d'ailleurs que le vrai pouvoir est ailleurs. Et là, on poursuit. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump a gagné électoralement, mais on voit qu'il est en train de se faire pourrir par la nomenclature et l'oligarchie américaine, ce qui nous prouve donc, et là, le Front National s'intéresse à ça, que la bataille politique, ce n'est pas que la bataille électorale, et que c'est une lutte d'influence beaucoup plus globale sur non, beaucoup plus total, de secteurs, que ce soit le... donc économique, culturel, bien médiatique bien et compagnie, et qu'il ne suffira pas au Front National qu'il gagne des élections pour qu'il puisse mettre en œuvre sa politique sereinement ou même mettre en œuvre sa politique, au moins partiellement, enfin, mettre en œuvre au moins une partie de son programme. Voilà. Il y a une très grande naïveté de la part des soutiens du FN qui pensent que si le FN gagne électoralement demain, il pourra faire tout ce qu'il veut. C'est absolument faux. On lui tirera les planches partout. Il y aura des tribunaux de juge administratifs qui annuleront tout ce qu'ils font, etc. Le Conseil constitutionnel s'y mettra aussi, etc., etc., etc. Soyez en passant. Et ça, c'est la grande leçon de Trump, c'est que la bataille n'est pas qu'électorale. Je suis tout à fait d'accord avec Maître parce que Justement, le, le président, des... c'est à souligner quand même d'une pierre blanche. Hein. Oui. Non, non, là, je, non, je vrai, une minute de silence. Non, parce que le président américain, qui est con considéré comme un peu comme, comme, comme le maître du monde, on s'aperçoit, on s'aperçoit qu'il est totalement dépendant d'autres puissances, etc. Mal, pas et pas bien et bien. ça, non, mais vraiment, je pense que c'est un, un point clé. C'est-à-dire que même celui qu'on considère comme le président de la première puissance mondiale est... Ah, il est président du monde. Hein. Non, mais ce, pas, qu a, ce qui est intéressant, est pas, euh, Xavier... Il n'est pas libre, pas ce libre ce qui, de ce, se C'est ça de... qui est génial. Est qu il, faut, il, aura presque, il aura fallu attendre Trump pour que les gens revoient l'Amérique comme un jeu de contre-pouvoir et de, et de deep state et de machin, ce qu'on dénonce depuis des dizaines d'années quand je dis on, Très humblement, il y a nous, mais il y a eu tous nos grands anciens qui le disent, et depuis très longtemps, et de manière fort complète, en disant voilà, il y a les groupes d'intérêt, les lobbies, les machins, le complexe militaire ou industriel, le, le deep state financier, les problèmes de, de la fête banque, etc. Et puis après, il, il, tout le monde, mais non, mais arrêtez, vous êtes, complot, vous êtes complotiste, vous êtes mais pas du tout, il faut, il faut tout réduire au complexe américain-oceaniste. Voilà. Isra euh, oui. Oui. C'est la clé universelle d'explication du monde. S'en râler parmi nous. Euh, donc, si, 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 si Sors es... de ce corps, Alain. <laughs> Troll. Troll. Mais tout ça pour nous dire que depuis des années, euh, depuis des décennies, on nous présente la marche de l'histoire comme une lutte euh, électorale. Alors que quand on a lu par exemple Henri Coston, on sait très bien qu'un vote n'est pas là pour, euh, je dirais, créer un rapport de force il ratifie mmh. le rapport de force. il mmh. faut jamais oublier cette grande lutte d'influence globale. Soit dit en passant. Et ça, le Front National devrait l'écouter. Alors moi, j'irais total plus que global. Parce que là, on est quand même sur des, des limesses qui vont faire que soit on les passe et on conquiert, soit on recule et on disparaît quand même. Hein. Bah, sur le fond, je suis d'accord avec Maître Abosi. Vraiment, j'aime je, 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 l'entendre parler. Vous, Par pourrez contre, faire, vous pourrez faire des trucs sales après. En, en revanche, non, non. je vais dire que... Pas, avec, avec Adrien... Il y a un petit parfum 70s. Henri Coston, mais putain, mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas dit ce nom à la radio, putain. <laughs> on devrait en faire un cocktail. Oui, mais faut rendre hommage aux grands anciens. Mais <laughs> le est cocktail Coston, Coston, le tout le no monde no quasiment bonne <laughs> 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 <tout> <tout> ah, Mais les grands anciens, arrête de dire grands anciens parce que sinon on va, on va venir Toulou, <tout> venir <tout> la Totep. <tout> la to <tout> <tout> mais oui, mais justement, venir la Totep, pourquoi pas. <tout> c'est très important. <tout> la <améric> Totep, président. Alors je renvoie Emmanuel Bodleau Le discours qu'on tient aujourd'hui, c'est le même qu'Henri Coston, avec tenait avec sur les 200 familles, etc. Sous, sous notre forme ou ratier avec et, le siècle et, 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 avoir, et beaucoup moins caricaturables que oui, le oui, roi oui, Emmanuel Ratier avec le siècle et compagnie hein, d'ailleurs Rattier est un héritier parce que oui. peut-être que c'est vrai En fait, <laughs> peut-être que, peut que je suis d'accord avec toi aussi le, le, le seul intérêt de Donald Trump même si c'est à prendre avec moult précautions parce que la visite de Pence euh, en Allemagne il a un peu corrigé le tir c'est quand il dit qu'il ne veut plus que les états unis soient le principal euh, les principaux financiers de l'OTAN et que l'Europe, pour une fois, doit se débrouiller pour sa défense. Alors, ça, ça a été une aubaine pour la Chine, mais on n'a pas le temps d'en parler. Euh, mais euh, euh, c'est un boulevard pour Ping hein, là-dessus euh, qui, qui, euh, qui joue du lourd. Mais on n'a pas tout à fait le ah, temps d'en parler. Été... Clémentin, Clémentin, parce qu'on est dans les dernières minutes. C'était juste pour remarquer, euh, on a entendu Hollande. Qui réclamait plus d'OTAN et qui reprochait à Trump. C'était hallucinant, c'est les colonisés qui réclament le colonisme. Mais c'est toujours pareil, les gars. Remettez-moi les fers. Mais à la fin, toujours à la fin. Mais oui, mais regarde, c'est comme les vieux Stal qui disent avant, ok, tu. Souviens-toi d'Eric Honecker, À la fin, il disait mais il reste combien de T80, là Vous pouvez pas, on l'envoyait, là, même en pièce d'étage, on s'en fout. On a le mode d'emploi. les tuer, en fait, ah. Alors, par contre, ce qui est intéressant sur cette histoire de temps et de Trump, c'est que par rapport, euh, ça rappelle une émission qu'on avait fait il y a bientôt un an, je crois, avec euh, Monsieur K sur euh, une autre émission euh, disponible aussi sur la Médienne qui s'appelle Orage d'Acier. On parlait de spectre et de la lecture politique de spectre. Ce qui est intéressant, c'est ce que fait euh, Theresa May quand nous a, vous savez, par rapport au Brexit. C'est-à-dire qu'on voit ce que. Ah, c'est vrai qu'on n'a parlé de Theresa. Et le, le Brexit, ce que dit le Brexit, ce qui est intéressant, c'est qu'elle aussi a fait la leçon à Trump. Et la leçon que Theresa May a fait à Donald Trump, c'est que... Light, hein Oh, c'est léger, hein Oui, mais euh, c'est intéressant, malgré tout... Contraté, forcé par son oui, mais opinion mal... publique. Hein. Malgré tout, oui, mais ça, sur les trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la Grande-Bretagne revient à ce qu'elle a toujours voulu être, c'est-à-dire la première puissance mondiale, liste, et qui explique aux États-Unis, « Vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous, la City, on continuera à être, euh, le, vouloir être les maîtres du monde. » Ça, ils oscillent entre Maître du Monde et Porte-Avions. Bon, allez, on est obligé de... On est obligé de... s'arrêter là, on avait encore deux, trois sujets. Mais euh, unfortunately, qu'est-ce qu'il y avait, monsieur le cas Eh oui, ça fait déjà deux heures que nous euh, dissertons euh, de concert. Pas grave, on va se donner rendez-vous et puis on accumule euh, les autres sujets. On aura... On n'aura pas parlé des migrants qui ont euh, très opportunément disparu depuis quelques mois, qui ont tous euh, tellement bien migré qu'ils sont devenus immigrés, peut-être. <laughs> peut-être <laughs> peut qu'ils ont suivi simplement le cours des saisons, ils sont ouais. rentrés chez eux en hiver ouais, ouais, avec, ouais. avec les, les cigognes. Ils ont fait des vols de retour. Ils je, ont, euh... je crains que non. Non, on les voit passer aussi <laughs> gentiment <laughs> en vol série. Suivez Paris euh... Vox pour vous tenir au courant euh, sur la, euh, des migrations parisiennes. Voilà, oui, mais La porte de la chapelle, tout ça. De toute façon, ça va nous péter aux genoux, ça, c'est rapidement, juste après la présidentielle euh, ou même euh, durant la législative. On va aller voir, euh, ce qu'il fera beau. Alors, il va ressortir. Hein. Euh, et puis, euh, bon, plein d'autres sujets beauté. dont on n'a pas eu le temps de parler, à savoir quelques, euh, quelques sujets que je voulais porter sur l'ubérisation de l'économie, les grands débats aujourd'hui voilà. sur le travail. Euh, sur le salariat euh, avec euh, l'Association nationale des DRH qui, il y a quelques jours, a fait une déclaration bizarre unification CDI, CDD pour un contrat négociable. Enfin, il y a des choses qui se préparent, oh. les petits amis. La feuille de paye va bientôt changer. <laughs> pour tous vous ceux pouvez qui vous enduire euh, le dernier. Ouais. Ouais. Grosso modo, Achetez pour donc résumer. proctologue, proctologue, j'ai plus mal. Euh, lieutenant, c'est la oui. 300ème. Il me semble que la. Troisième ou quatrième ou septième émission, je sais plus, Mais... on avait titré euh, euh, Joli temps de crise. Mmh. Euh, on avait prédit des choses. Certaines se sont produites, d'autres moins. On a souvent raison trop tôt. Mmh. Là, vous avez la crise de 2008, euh, x10 qui arrive ouais, bah dans oui. les cartons. Bah oui ça pourrait faire l'objet d'une émission. C'est vrai. Et oui oui, mais on va la jojo. Euh, ouais, avec Pierre aussi la mistadéré. Euh, on peut on peut penser un truc effectivement sur ce sur ce goût là. Bon les gars, euh, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, je vais euh, clore les débats. Euh, c'était donc le lieutenant Storme à la tête de de cette 300e 300e 300e. Encore votez, ouais quand même, ouais votez quand même Marine Le Pen. Voilà. Oui, euh, oui, ouais, faites-le même si vous n'êtes pas démocrate. Faites-le ouais. surtout si vous n'êtes pas démocrate. Euh, et euh, donc, cette 300e émission qui était un cap, que dis-je, une péninsule, avec toute une équipe de dingue et, une, et euh, une bonne ambiance comme d'habitude, malgré un, un pinard qui va avoir du mal à passer là. Franchement, ton truc m'a dérisé, là, pas bien. Il y a, y a voilà. moi qui suis à euh, En tout cas, on vous donne rendez-vous à Gein. Moi, c'est le biscuit, c'est le donner On vous donne rendez-vous bien évidemment à la prochaine, mais surtout, on vous dit une fois encore et pour toujours. I I on. country. Country. One day you pull and then you die nothing in between maybe